nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures pour me parler de vous, de vos doutes, de vos fragilités, de vos peurs, de vos espoirs. Au 39-21, où vous serez accueillis chaleureusement par Jeanne et Paul, avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, je compte également sur tous vos commentaires, vos réflexions par SMS au 7-39-21, en les commençant par le mot « nuit », ainsi que vos mails sur le site europe1.fr. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Eliane. Bonsoir Caroline. Bonsoir Eliane. Et donc vous avez bien reçu mon message. Oui, vous m'avez laissé un message hier sur le répondeur. On l'écoute, figurez-vous, ce oui. répondeur qu'on le consulte, puisque le 39-21, vous pouvez l'avoir aussi dans la journée, y avoir oui. accès à toutes les à oui. toutes les émissions. Et alors vous, Eliane, vous aviez été touchée par le témoignage d'Isabelle, ah, oui. qui était la dernière auditrice ah, oui. hein, hier soir. Absolument. Qui était très, très peinée, assez angoissée. Et ça faisait 6 ans qu'elle connaissait ce monsieur. Voilà, qu'elle était avec un homme donc marié, oui. qui ne prenait pas de décision, qui lui disait qu'il allait venir vivre avec elle, et puis qui au dernier moment reculait et finalement la faisait souffrir elle, faisait souffrir son épouse. Et oui. voilà. Donc c'est une situation que vous connaissez. Eh bien, c'est une situation que vous avez connue, en tout cas. Que j'ai connue. Mais moi, je n'ai été la maîtresse de personne. Ah bon? J'étais vraiment mariée. J'étais vraiment mariée. Oui. Et avec des gens très, 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 très bien. Oui. Et la cause des séparations, eh bien, écoutez, ce fut les enfants. À commencer par ça. Voilà. Mmh. Et alors, les enfants, alors, je m'occupais trop de mes petits-enfants, de mes enfants, etc. Ceci dit, ils ont tous des très belles situations parce que j'ai consacré ma vie, d'ailleurs, à leur éducation. Bien. Mais, il y a 22 ans, j'ai connu un monsieur, très bien aussi. Oui. Et nous étions tous les deux pas mal non plus. On a beaucoup voyagé, mais ce monsieur avait un fils. Et ce fils a mis, si vous voulez, de la pagaille dans notre couple. Et surtout, la pièce rapportée, c'est-à-dire la bru, comme on dit maintenant. Et cet homme vraiment... était... Mais attendez, cet homme était pourtant séparé, lui de Non, son... il était veuf. Ah oui, d'accord. Et son fils femme ne vous ont pas accepté. Son fils avait cru... Je dis que c'est complètement ridicule, que j'étais auprès de son papa, sans doute pour hériter, parce que à l'époque, son fils n'avait pas d'enfant. Oui. Et quand il a vu que, on était très bien tous les deux, on voyageait beaucoup, on a fait énormément, énormément de voyages et très loin, je pense que la jalousie a rôdé autour de nous et que, bien sûr, ils se sont mis à fabriquer par... c'est moderne, n'est-ce pas, par éprouvette, un enfant. Bon, eh bien, cet enfant, moi, je l'ai vraiment accepté comme mes petits-enfants. J'ai fait tout ce qu'il fallait, mais cette jeune personne, arrivée à 18 ans, eh bien, a mis, elle aussi, ou à cause d'elle, la pagaille. Voilà, il fallait tout pour mademoiselle, etc., etc., jusqu'à ce qu'elle veuille occuper le pavillon où nous étions. Et alors, eh bien, ce monsieur n'a pas... Et ça faisait 22 ans que j'étais avec lui. Et ce monsieur n'a pas su dire à son fils, « Écoute, tu as ta vie et moi j'ai la mienne, alors oui, laisse-nous tranquille. » Oui. Et donc, il y a eu une ambiance terrible. Ils arrivaient dans la maison, me disaient pas bonjour, me tournaient le dos, ricanaient... Et j'avais beau dire à mon compagnon, c'était mon compagnon, écoute quand même, il faudrait que tu vois avec Eric, on ne doit pas citer le nom, il faudrait que tu vois avec ton fils, parce que c'est pas normal ce qui se passe. Oui. Et moi, je n'en peux plus. Eh bien, il n'a jamais su dire
à son fils que ce que je oui, qu'il vous respecte, même s'il ne vous appréciait pas, mais qu'au moins il soit respectueux. Ben, il m'a apprécié pendant de longues années, du temps que la petite était petite, mais au fur et à mesure qu'elle a grandi jusqu'à ses 18 ans, c'était l'héritage, c'était les questions d'héritage qui ont envenimé la situation. Ça arrive, hein, ça arrive ce cas de figure. C'est arrivé dans mes enfants, mes propres enfants. À la mort de leur papa, l'héritage les a fâchés. Oui, ça, voilà. C'est très fréquent, et alors, malheureusement. Et c'est moi qui les ai. Oui, mais même dans le cas de figure que vous décrivez, Iliane, où vous avez été pendant 22 ans, ce qui est une très longue histoire, la compagne d'un homme qui était veuf, donc la situation était claire, cet homme, vous partagiez la vie de cet homme, mais cet homme ne vous a pas protégé, en tout cas matériellement, si je comprends bien. Écoutez, j'étais très bien jusque-là. Jusqu'à ce qu'à un moment, l'héritage revient. Aux enfants, moi, c'était pas question d'héritage. D'ailleurs, mais je ne l'ai pas dit, d'ailleurs, vous n'étiez pas avec lui pour ça, on a bien compris. Non. Après, comment ça s'est passé finalement? Parce que... Eh bien, finalement, l'ambiance était tellement insupportable que ma fille a trouvé un appartement et que j'ai dû déménager et que maintenant je suis dans un appartement qui est superbe. Oui. Seulement, j'ai perdu tous mes amis auprès de moi. Puisque j'étais, je ne sais pas si je dois le dire, la ville, parce que les gens vont me reconnaître. Vous n'êtes pas obligé, non, vous n'êtes pas obligé de donner la ville. D'Antony, je suis arrivée à Corbeil-Essonne. Et ce n'est pas du tout le même système et la même région. Oui. Et je suis née à Arveil-Malmaison. Alors c'est encore différent. Oui. Donc je supporte mal, très mal, d'être arrivée là. Bien que je sois très très bien dans mon appartement. Mais alors voilà. Mais ce monsieur. Quand je retourne, pardon. Ce monsieur est décédé? Non. Tant mieux. Vous êtes séparés. Ça a fini par vous séparer. Ah oui, mais il me téléphone. Ah, il demande de mes nouvelles. Et il est tout seul maintenant. Lui aussi. C'est un vrai gâchis quand même. Vous êtes parti parce qu'à un moment vous ne supportiez plus le climat, la pression des enfants. Je ne pouvais pas. Ouais. Ils amenaient des meubles, soi-disant qu'ils voulaient habiter le pavillon, etc. Et moi j'avais toutes mes affaires rangées. Ils m'ont joué des tours. C'est fou mon histoire. Les gens qui me connaissent, à un point que la famille de ce monsieur lui tourne le dos, et personne ne peut le voir. Et quand je retourne là où j'étais avant, dont je viens vous citer la ville, eh bien, on me fait signe de la main. Coucou! Oh, vous venez? Oh! Ben oui, vous y avez vécu 22 ans. Tout le monde me connaissait. Ben forcément. Oui. Et alors, j'habitais en pavillon, donc les voisins, les voisines, on m'appelle et on me dit. Oh, dites donc, depuis que vous êtes parti, c'est plus la même chose dans la rue. Et il vit tout seul maintenant. J'avais des fleurs partout. Oui, vous êtes quelqu'un de sympathique. On vous appréciait beaucoup. On m'entendait chanter. Vous avez gardé votre gaieté. On sent que vous êtes quelqu'un d'enthousiaste. De mes voyages, etc. Mais mes voisins m'appellent, mes amis m'appellent. Et on me dit, mais revenez, mais vous pensez, je ne vais pas encore refaire un déménagement. J'aime mieux m'en aller carrément en Bretagne. Ah, ça, une autre option. Oui, parce je comprends. Parce que Saint-Malo, ce sont mes racines, alors. Oui, vous savez, d'accord. Je préférais tant qu'à faire aller au bord de la mer. Et vous avez déménagé il y a combien de temps? Eh bien, ça fait 2 ans que je suis ici, d'accord. Toute seule. Oui. Une résidence, je ne donnerai pas le nom, mais c'est une résidence, on dirait 3 ou 4 étoiles. Vous vous sentez bien, vous vous sentez bien, c'est l'important. Bon, il faut montrer patte blanche pour rentrer. Mais c'est courageux parce que ce monsieur a 92 ans, vous êtes un petit peu plus jeune que lui, mais c'était pas évident quand même de déménager comme ça après avoir passé 22 ans. Surtout dans ces conditions, je trouve. C'était pas évident du tout. Et depuis, bien sûr, que j'aurais pu aussi, évidemment, renouer avec des gens très, 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 très bien. Mais j'hésite. Mais oui. Mmh. Ah, j'hésite. Parce que c'est vrai que, de ma personne, je suis toujours restée coquette, etc. Même le docteur me dit, écoutez, vous, j'aimerais bien être comme vous à 80...
Et des poussières. Oui, mais oui, oui, mais moi, j'ai fait beaucoup de sport. Je ne vivais pas. Oui. J'ai fait beaucoup de tennis, de la voile, du ski, de fond, etc. Ah oui, en effet, vous étiez une grande sportive. J'étais secrétaire, n'est-ce pas? Oui. Bien placée à la Défense, là-bas, dans une société engineering le plus haut de l'échelle. Bon, eh bien oui, je me retrouve toute seule. Après avoir 22 ans, après avoir vécu. Oui, mais vous avez des amis, vous avez une vie sociale quand même. Les gens vous apprécient. Non, personne. Non, vous téléphonez. Ma fille qui n'est pas loin. Il y a que le pont de la Seine à traverser. Bon. Mais mon gendre a pris sa retraite. Alors là. Oui. Pas question. Et Saint-Malo, vous n'envisagez pas d'y retourner? Eh bien, peut-être que ça va se faire. Bon. Parce que moi, vous avez des attaches encore, parce que c'est votre région natale. Ah oui, mais je suis de Dole de Bretagne et mes parents sont de là-bas. Hein. Ouais. Et Dole de Bretagne, Dinan, Dinard, on connaît ma famille par cœur. Bon. Ah, mais je suis connue de partout. Bon, alors pourquoi ? Et j'ai une histoire. Pourquoi ne pas y retourner ? D'ailleurs, j'ai écrit mon manuscrit que je suis en train de regarder et d'écrire. J'essaye de le passer sur mon ordinateur, mais c'est pas toujours facile, hein, car quand je le relis, mon manuscrit, il y a des phrases, je me dis, tiens ça, il faut que je mette ça. Que vous pouvez remanier. Bon. Évidemment, je suis bien. Vous êtes une perfectionniste. Eh bien oui, parce qu'en plus je fais de la peinture. J'ai exposé au salon d'hiver. Bon, ben donc vous avez de multiples talents. Oui, tout à fait. Donc voilà. Bon, vous êtes pleine de vie, pleine d'entrain. Oui. Ben, voyez, je suis toute seule. C'est pas drôle, hein, Caroline. Toute seule, vous voulez dire sur quel plan? Toute seule, sentimentalement, affectivement. Voilà. Alors que moi, je suis plutôt, avec tout ce que je sais faire, je parle évidemment bien. et je fais de la peinture et j'aime la peinture. Oui, mais vous êtes toute seule, mais vous faites beaucoup de choses. Enfin, vous vous ennuyez pas. Voilà, vous avez une vie très riche. Parce que finalement, je tombe un peu en dépression. J'ai été coupée là. Ça fait deux ans. On sent que vous avez quand même beaucoup de ressources, beaucoup d'allant, beaucoup d'entrain quand même. Hein. Mais je n'ai plus envie. Oui, bon. Étant toute seule. Oui. On sent que vous avez quand même pas mal de ressources. Moi, je trouve qu'il y a quand même encore... Oui, je pense. Mais, j'ose plus entreprendre rien. Bon. J'ai mon chevalet dans un coin. Bon. Je regarde mes peintures. Quand on vient chez moi, on dit « Oh, c'est vous qui avez fait ça ?» Ben oui. J'ai une toile, c'est Montmartre. Montmartre, le soir que j'ai faite pendant l'occupation. J'avais 18 ans. J'ai fait le croquis. Non, mais ça, c'est à garder, hein, parce que... Comment ? Ça, c'est vrai, c'est à garder. Montmartre pendant cette période-là. Pendant l'occupation. Oui. Bon. Et j'ai beaucoup de choses comme ça, Caroline. Enfin, il suffit de vous remettre un peu en train, ressortez votre chevalet, sortez. Ah, puis, oui. Je veux dire, enfin, on sent que vous êtes quelqu'un de très ouvert, de très sociable, Qui a envie de se lier aux autres. Donc, à mon avis, si vous mettez un peu le nez dehors et tout, vous avez très, très vite vous refaire des connaissances et des amis, hein. Franchement. Oui. Oui. Parce qu'on sent que vous avez le contact facile. Me mettre le nez dehors à 86 ans. Oui. Dans cette zone, il y a la Seine qui passe, c'est très joli, il y a des signes, etc. Ou là où je suis. Mais avec l'époque actuelle, j'ai peur qu'on me bouscule, qu'on me fasse tomber, que si, que ça. Non, il me faudrait vraiment un compagnon, mais qui soit un peu dans mes... Comment dirais-je? Affectivement, ayant les mêmes valeurs morales et intellectuelles, voilà. Allez voir peut-être sur les sites de rencontres sur Internet ou les agences, pourquoi pas. M'en parlez pas, Caroline. Hein. Bon. On envoie de tout. Ah non, moi je me déplace pas. Moi, on m'écrit, mais je reçois des lettres formidables. Bon, c'est déjà ça. Et après, je dis aux femmes et aux jeunes femmes et aux jeunes filles, faites bien attention. Parce que, j'ai oublié de vous dire, c'est peut-être prétentieux de ma part, mais lorsque les femmes sont bien, là, il faut encore faire plus attention. Parce qu'on arrive à se dire, est-ce que l'on m'aime parce que je suis comme ça? Ou est-ce que l'on m'aime parce que je vaux? On arrive à se poser des questions. Et oui. Regardez le nombre d'artistes qui sont décédés. Martine Carole, hein? Dalida, on ne me prend pas pour ces personnages-là. Non,
Mais quand on est une femme bien, on a tellement le jeu de cartes en main qu'il faut faire très attention. Voilà. Oui, mais c'est très dit. Les femmes que vous citez ont été effectivement des artistes en plus très adulées, célébrées par. Mais oui, mais bon, quelle histoire elles avaient derrière elles aussi. Hein, donc oui, bon, mais quel parcours. Vous savez, donc, personne bon, ne tient la bougie. Et en plus, c'est très difficile d'être célébrée, adulée, mais pour l'image qu'elles renvoyaient, et au fond, qu'est-ce oui, qu'on aimait d'elles dit, et bon, c'est encore heureuse. Autre chose. Elles n'étaient oui. pas heureuses. Hmm. Voilà. Et bon. Moi, oui, mais je crois que c'est pas votre cas. On sent que vous avez quand même une appétence pour le bonheur. Moi, j'irais à vous entendre. Là, c'est une période oui, un peu compliquée de votre vie, mais je trouve que vous avez. On sent que. Oui, mais enfin, vous voyez, déjà à 86 ans, être dans cette perspective de dire j'attends le prince charmant, oui. j'aimerais, ça témoigne quand même d'un bon tempérament, je trouve, oui, d'une bonne nature. Vous voyez, d'une oui. nature quand même assez enthousiaste, parce qu'il y a beaucoup de personnes voyages, qui à cet âge-là n'attendraient pas le prince charmant. Oui. Hein. Dans mes voyages, j'étais toujours entourée. Hein. Et alors, mon compagnon était, assez, oui, évidemment, il était fier de moi, parce qu'on le lui disait. Lui disait. Et puis, c'était très amusant, parce que dans les voyages, on connaît personne, bien sûr, quand on part en voyage. Mais il suffisait qu'on soit au restaurant, à une table. On me disait, madame, est-ce qu'on peut venir à votre table? Ah oui. Oui, oui. Alors, oui, vous êtes charmeuse. Vous aimez, voilà, vous aimez non, plaire et vous plaisez. Comment ? Vous aimez plaire et vous plaisez, effectivement. Ben voilà. Et c'est la nature qui m'a fait comme ça. Ben voilà. Et ben bon, voilà, Caroline. Donc, je pense, je me fais pas de soucis pour vous. Je pense que vous allez avoir très vite à nouveau des gens qui vont graviter autour de vous et des hommes oui, en particulier. Il y a certainement d'ailleurs des hommes qui ont eu la même histoire que moi parce que en fait, il n'y a pas que les femmes à qui ça arrive. Bien sûr que non. Eh bien voilà, c'est la conclusion. Voilà. Eh bien Caroline, petit appel du pied, l'appel est lancé. Affaire oui, à suivre. Affaire à suivre, Eliane. On transmettra. J'avoue que vous êtes extraordinaire parce que moi j'aime bien vous entendre. On entend tellement de choses tristes. Et ce pauvre monsieur l'autre jour, enfin bref, alors lui c'était un autre cas, mais et, en fait il me faisait de la peine lui. Moi je suis très sensible, alors voilà. Bon. Ben, merci en tout cas d'avoir appelé et merci de votre fidélité, Eliane. Eh bien, et puis écoutez, ressortez votre chevalet et puis essayez de mettre un peu le nez dehors quand même, voilà. Oui, pendant l'été au moins. Temps, heureusement, il faut que je respire. Oui, alors, les belles bonsoir, plantes ont besoin Caroline. De respirer. Au revoir, Eliane. Et merci au revoir. Beaucoup pour ce que vous faites. Merci, au revoir. Bonsoir. Europe 1, pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Caroline Dublanche. Bonsoir Louise. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel, je suis très émue. Je vous appelle en fait parce que j'ai 28 ans. Oui. Et à la suite d'une première expérience professionnelle difficile, j'ai fait une dépression assez sévère en fait, en relation avec justement l'expérience que j'avais vécue à mon travail. Et... je sais pas comment le qualifier, mais le psychologue du travail et le psy que j'ai vu après m'a dit que c'était une forme de maltraitance professionnelle. Je sais pas si on peut parler de harcèlement, c'est compliqué d'employer ces mots-là, mais ce que vous avez vécu au sein de votre travail. Exactement. Oui. Voilà, c'était ma première expérience professionnelle. C'est le médecin du travail qui qualifiait cette situation. Voilà, comme ça c'était en parlant avec lui parce que j'ai fait un arrêt maladie et je voyais un psy en parallèle depuis quelques temps, mais pour des choses beaucoup plus bénignes, j'ai envie de dire. Et comme il m'a vu m'effondrer, il m'avait fait lire le harcèlement au travail de Marie-France Irigoyen. Oui, oui. Et il m'avait demandé de voir si dedans il y avait des choses qui ressemblaient un peu à ce que je vivais. Et bon, en gros, j'ai fait un arrêt maladie, j'ai obtenu une rupture conventionnelle dans mon entreprise. Grâce à l'appui d'un délégué syndical. Et je suis partie sur la pointe des pieds. Je ne voulais pas faire d'esclandre, en fait. Ce qui était dur, c'est que quand je suis rentrée dans cette entreprise, j'étais très en colère de la manière dont j'ai été traitée par la femme qui était ma supérieure. Et je me disais, mais quand je partirai, je dénoncerai sa manière d'agir. Je dirais qu'elle a un double visage et un double propos, qu'elle n'est pas à l'extérieur comme elle est dans sa salle, à l'écart des autres.
Et en fait, le fait d'avoir macéré, on va dire, dans ce face-à-face avec elle, et une deuxième assistante qui était complètement son esclave, j'ai envie de dire, à l'écart du regard des autres, en fait. Oui. C'est ce huis clos-là qui m'a... avec deux personnes qui avaient du coup des rapports complètement malsains, parce que elles étaient, c'était des rapports un peu de domination et de force, et moi j'étais aussi... ça m'a complètement perturbée, en fait. Et quelle place teniez-vous, vous, au sein de ce trio, alors parce qu'il y avait, on voit bien, une qui dominait, l'autre qui était soumise, et vous, vous étiez dans ce triangle. Moi, j'étais l'assistante de deux personnes qui travaillent ensemble depuis 20 ans, dans un bureau de création. Oui. Et en arrivant, j'étais très heureuse, je me disais, mais c'est super, si elles travaillent ensemble depuis 20 ans, ça veut dire qu'elles s'entendent bien. Et en fait, je me suis rendu compte que l'une avait complètement l'aval sur l'autre et que la deuxième s'excusait d'avoir 5 minutes de retard, demandait si elle pouvait changer la couleur d'un échantillon, n'osait jamais prendre ses vacances. Il y avait une espèce de domination permanente. Ouais. Donc elle n'osait absolument jamais. C'était quelqu'un qui n'avait jamais eu de promotion dans la boîte depuis des années, qui, ni d'augmentation ni rien, qui s'était complètement effacée. Et j'ai été assez effrayée par ce que j'ai vu, parce que je j'avais jamais vu des rapports professionnels, même des rapports humains de cette manière, en fait. Et, oui, et à ce point-là, de soumission. Ouais, j'avais trouvé ça très choquant. Mmh. Et en arrivant, je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, moi, je fais mon travail et je reste à ma place. Mais en fait, j'ai été complètement aspirée par cette femme. Celle qui était très, très dominatrice, on va dire, ouais, qui m'a complètement démolie dans ma manière de... Je suis pas une montagne d'estime de moi, et je crois que ça m'a démolie. Elle m'a dit que j'étais une erreur de casting, que si vraiment je m'accrochais, elle me laisserait une deuxième chance pour un deuxième CDD. Elle a fait passer une annonce pour mon poste sans me prévenir sur des sites. C'est une stagiaire qui s'en est rendue compte, qui est venue me le dire. Oui, en effet. Il y a eu des choses assez violentes comme ça, et puis des propos beaucoup plus subtils et répétés, en me disant que mon travail n'était pas assez subtil, ou que les couleurs étaient trop vulgaires, ou que... Donc en fait, j'ai commencé à manquer de confiance en moi. Et... Ou vous aviez le sentiment qu'en... C'est-à-dire, en critiquant votre travail, elle critiquait ce que vous étiez, votre personne? Je crois que si on aurait pris les faits de manière isolée, je ne l'aurais pas pris de manière aussi... personnel. Oui, mais... c'est un ensemble de choses, parce que c'est pas la même chose de critiquer un travail et de s'en prendre à la personne. Exactement, je suis la part des choses, mais je crois que le fait d'avoir qu'elle me décrédibilise à l'extérieur du service en disant, écoutez, ne donnez pas ça à Louise, c'est un peu trop compliqué pour elle, ou j'ai été complètement isolée à l'intérieur de mon propre service, j'avais pas... Oui, elle était humiliante finalement. Humiliante, cassante à l'extérieur vis-à-vis de moi, et en même temps très douce et très, 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 très bien avec les personnes hiérarchiquement hautes, vous voyez, enfin. Et donc moi, j'ai été isolée, j'ai essayé de travailler avec d'autres services, elle m'a empêchée à plusieurs reprises en disant qu'on n'avait pas le temps, je n'assistais pas aux réunions, alors que toutes les assistantes des autres services assistaient aux réunions, je n'avais pas de carte de visite, je ne prenais peu de gens au téléphone, je n'avais aucun pouvoir décisionnel, je c'est comme si je n'existais pas, enfin, c'est très, très bizarre. Et en fait, je crois que ce stress répété, j'avais même peur le midi d'aller manger avec des collègues parce qu'elle mangeait à son bureau, et si on m'invitait au restaurant, si j'avais 5 minutes de retard, je sentais qu'elle allait après inconsciemment me le faire. Enfin, elle se comporterait mal l'après-midi, en fait. J'étais dans un stress permanent où je regardais ma montre. Et je crois qu'en fait, pour parler rapidement, parce que je suis pas la seule sur l'antenne, je crois que ce stress répété et permanent m'a rendue malade, en fait. Et oui, ça c'est tout à fait possible, oui, bien sûr. C'est progressivement. J'ai un tempérament anxieux à la base, mais je crois que là, je suis tombée sur quelqu'un qui a fait un peu de la chair à canon avec Et vous avez les somatisations, elles ont porté sur quoi? J'ai commencé déjà à perdre progressivement du poids. J'ai un poids stable depuis des années, j'ai pas de problème alimentaire, et j'ai perdu en l'espace d'un an 7 kilos. Ce qui était pour moi, je suis pas quelqu'un de gros, j'ai un poids normal, donc je suis devenue mince.
Vous étiez dans le domaine de la création en plus, donc il y a aussi des standards là dans ce domaine-là. Mais moi c'est pas des standards que je suis. Oui, ça comptait pas dans votre. Oui. Je suis quelqu'un de mince et ça me va très bien. Je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de troubles alimentaires. J'ai commencé aussi à avoir les mains qui tremblent. Je me suis rendu compte que à la fin, quand j'étais vraiment pas bien, je pouvais nerveusement mon corps. Si je tendais les mains, j'avais comme les mains qui tremblaient en fait. J'avais comme du papier de verre dans les articulations. J'avais un sommeil extrêmement morcelé et puis je pleurais tout le temps. Ce qui était impressionnant, c'est que je pense que beaucoup de gens ont eu des épisodes dépressifs dans leur vie. Moi, j'ai déjà eu des petits moments durs aussi. Ou quand ça n'allait pas, je trouvais le ressort en parlant à un psychologue ou à mes parents ou en allant voir des amis. Et je faisais en sorte que ça aille mieux. Je m'accrochais, c'était dur, mais ça allait mieux. Et là, en fait, dans cette espèce de huis clos, j'ai été comme aspirée. Et je ne voyais pas d'issue, parce que je me disais, il faut que je trouve un autre travail. Mais un autre travail, ça ne se trouve pas comme ça. Et plus le temps passait... Vous étiez dans une spirale infernale. Quoi. Exactement, vous vous sentiez broyé complètement. Plus le temps passait, et moins j'arrivais à donner le change. Mais forcément. Je passais des entretiens, et j'allais de plus en plus mal. Et j'ai croisé quelqu'un que je connaissais qui m'a dit, mais qu'est-ce qui est arrivé à Louise? Enfin, je ne la reconnais pas. Ah oui, à ce point-là. Mais parce que je pense que vers la fin, oui, j'avais perdu 8 kilos, elle ne m'avait pas vue depuis un an, elle m'a trouvée toute maigre. Si vous étiez mince, forcément de mince, vous devenez maigre. Et voilà, j'étais maigre et je pense que mon visage était creusé. J'arrivais entre guillemets à donner le change à l'extérieur. Vous étiez un peu une présence fantomatique. Mais en fait, mon appartement était sale, j'arrivais plus à m'alimenter, je pleurais tout le temps, j'avais très peur. Donc voilà, ce que j'ai dit à votre collaboratrice, c'est que j'ai négocié une rupture conventionnelle, les ressources humaines n'ont pas été étonnées. En fait, j'ai appris que la jeune fille avant moi était restée 3 mois, moi je suis restée 1 an et demi, mais qu'ils étaient assez embêtés parce que cette personne avait 30 ans d'ancienneté dans la maison et que la licenciée... Ça fait de lourdes indemnités, mais enfin... Mais ça m'a mis en colère parce que je crois que sur le moment, j'avais juste envie de disparaître, de partir de cette entreprise. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, j'ai une immense colère parce que j'ai le sentiment d'avoir été... D'avoir été employée dans un endroit qui n'était pas sain et que l'entreprise ne m'a pas protégée, en fait. Vous avez raison. Il y a certainement quelque chose de ça, puisque même ils sont conscients qu'il y a un problème, qu'il y a, un turnover important sur ce poste, mais pour des raisons financières ou qui les arrangent, parce que peut-être qu'elle fait le sale boulot. Enfin, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose aussi. Il y a des gens qui sont placés à dessein. Pendant des années, elle était dans un secteur un peu isolé, qui ne touchait pas les autres services. Alors, son secteur générait beaucoup d'argent. Finalement, la relation qu'elle avait avec son assistante semblait leur convenir parce que ni l'une ni l'autre ne changeait de poste. Voilà, ça fait 20 ans que ça dure, comme ça, entre deux. J'ai de la chance parce que je suis entourée, j'ai des parents, j'ai un petit ami, mais ça m'a vraiment ébranlée, en fait. Et j'ai beaucoup de mal encore aujourd'hui à retravailler. J'ai que 28 ans, mais... Oui, parce que là, vous en êtes... C'était il y a combien de temps, ça ? J'ai été en arrêt maladie. J'ai quitté cette structure en juin dernier. Oui, c'est tout récent. J'ai touché le chômage en septembre. Et j'ai dû mettre... L'année dernière, vous voulez dire, En septembre 2013, j'ai touché mon premier mois de chômage. D'accord. Ce septembre-là. Et entre septembre et janvier... Oui, septembre 2012, septembre 2012 et en... Voilà, d'accord. J'ai un peu digéré pendant 3-4 mois. Je me sentais incapable d'envoyer un CV. Et j'ai commencé à le faire, mais ce qui est difficile, je suis partagée entre deux écueils, c'est que je n'arrive pas à savoir ce qui est inhérent au métier de la création. On dit toujours que les gens qui créent sont des gens avec beaucoup de tempérament, un très gros ego. Or, ce n'est pas mon cas. Et je pense que ce que je fais... quand même bien, mais je suis pas du tout dans ce type de personnalité là. Et puis aussi, du coup, dès que j'entends que la boîte pour laquelle je postule, il se passe pas des choses super, parce qu'en ce moment j'entends quand même des trucs pas géniaux. Oui, des choses difficiles. Qui me font peur, à juste titre ou pas. Mais je me renseigne. Je sais que dans telle boîte il y a quelqu'un qui en a arrêt maladie, ou je sais que telle personne est difficile. Je rebrousse chemin et je n'arrive pas à passer les entretiens. Alors, je peux faire des petites missions en freelance, c'est assez rare, parce que le boulot ne court pas les rues, mais je peux le faire. Mais dès qu'on
dès qu'on me fait miroiter, en essayant de me faire miroiter un CDI, moi, ça me panique complètement. Je perds tous mes moyens et j'ai peur, en fait. Le CDI me terrorise parce que j'ai été en CDI, j'ai essayé de partir deux fois, on m'a retenue deux fois, je parle de ce job. Ça a été un long chemin de croix avant de pouvoir partir, en fait. Et du coup, aujourd'hui, revenir en... Oui, mais je comprends, vous protégez aussi parce que vous vous sentez encore vulnérable et aller vous remettre dans une ambiance délétère. Alors après, évidemment, vous vous renseignez, et vous avez raison, de vous renseigner un peu sur la structure, l'ambiance. Après tout, vous voyez, c'est pas parce qu'on dit que le marché du travail est difficile dans le contexte actuel que vous devez aussi non plus foncer tête baissée, parce que c'est votre santé qui prime, et physique et psychique. Mais j'ai toujours été très courageuse, j'ai toujours voulu travailler. Mais je n'en doute pas, ce sont souvent d'ailleurs les personnes qui craquent comme ça. On a fait une émission avec Marie Peset sur la souffrance au travail, vous l'aviez écoutée. Ouais, elle parlait justement de ces salariés, souvent ceux qui craquent, elle disait que ce sont souvent des personnes sentinelles. Parce qu'elle disait, et j'aimais beaucoup ce terme parce que je trouve qu'il revêt beaucoup de signification, en disant que là où on a tendance à dire que, enfin, renverser le problème en disant que ce sont peut-être les plus fragiles, elle disait que c'était peut-être justement les plus à même de repérer les dysfonctionnements dans une organisation. Parce que, et c'est pour ça que je comprends votre réticence aussi à parler de harcèlement, même s'il s'agissait peut-être de harcèlement, mais... C'était que le harcèlement, moi. Oui, mais j'aimais beaucoup l'approche de Marie Peset qui disait que souvent, et de fait, le salarié qui vit une situation très douloureuse et oppressante dans son travail, la qualifie en termes de harcèlement. Mais elle, qui a beaucoup travaillé, qui était une pionnière, qui a inauguré les consultations de souffrance au travail, notamment à l'hôpital de Nanterre, elle, et qui depuis continue à travailler beaucoup dessus, disait que c'était souvent, il fallait s'interroger sur l'organisation même du travail. Parce que, y compris la personne qui harcelait, de fait, était prise elle-même dans une organisation très pathogène. Ça ne disculpait pas le fait qu'elle ait un comportement pathogène, mais elle était prise dans une organisation du travail pathogène. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup quand elle parlait de salariés sentinelles. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas où effectivement ça entre en collusion avec peut-être des difficultés à ce moment-là de vie et une histoire aussi personnelle. Pourquoi pas, on ne peut pas l'écarter. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'on craque, parce qu'on fait une dépression, parce qu'on est forcément fragile, et c'est un peu trop simple d'évacuer le problème que souvent c'est l'organisation du travail en elle-même qui pose question, et que ça on l'évacue un peu trop vite. Mais je suis d'accord avec vous, je pense que cette femme était quelqu'un qui avait quand même un petit degré de pathologie, mais je pense que c'était quelqu'un d'anxieux qui était en fin de carrière, et elle a dû me voir arriver en se disant que j'allais lui piquer sa place, alors ce qui n'était pas du tout ma volonté première, et je pense que tout ça mélangé ensemble a fait un cocktail détonnant, quoi. Mais vous me dites que vous avez écouté l'émission avec Marie Peset. Est-ce que vous êtes allé voir sur son site un peu après? Je vais regarder sur ses souffrances au travail, je crois. Ses souffrances -travail.com elle a un site qui est très très bien fait et qui touche notamment beaucoup de différents secteurs professionnels, hein. C'est-à-dire qu'elle l'a fait par secteur professionnel avec d'autres, hein, évidemment avec des juristes, avec c'est pas que des psys, enfin avec des médecins du travail, avec tous les acteurs du monde du travail, hein. Donc ils sont nombreux, ils ont vraiment réuni leurs compétences et il est vraiment bien fait, son site. Il est de très bons conseils, je trouve. J'avais été, il faut que j'y retourne, parce que j'avais pas vu les métiers, entre guillemets, de la création. J'avais vu juridique, les métiers de la médecine du travail, les médecins. Peut-être qu'il faut que je regarde davantage. Faudrait peut-être regarder. Mais voilà, ma question était, et c'est pour ça que je vous appelais. Vous pouvez lui envoyer un mail aussi. Hein. Je peux lui envoyer un... D'accord, je le ferai. Si c'est vous ne trouvez pas sur... Vous pouvez, et ma question c'était, du coup il s'est passé des choses plutôt malgré tout positives pour moi cette année, parce que j'avais passé un concours à l'étranger pour faire un master dans une école
public et j'avais été reçue, et donc j'étais très heureuse. Parce que je me suis dit que peut-être que partir à l'étranger, parler une autre langue, obtenir une bourse pour ses études dans le cadre de me ferait du bien. Mmh. Et j'ai un bureau de recrutement qui m'a appelé aujourd'hui pour me dire est-ce que vous aimeriez... Ils n'étaient pas au courant de ma situation, hein, donc j'ai un peu menti. Est-ce que vous seriez d'accord pour candidater pour une offre d'emploi? On ne dit pas que c'est vous qui l'aurez, hein, vous êtes très nombreux à candidater, mais est-ce que ça vous intéresse? Alors je dis, bah, écoutez, dites-moi. Ils me disent, écoutez, voici, voilà, je vous donne la marque. C'est très intéressant, c'est en rapport avec ce que vous faites. Sachez seulement que c'est fou quand même qu'on me dise ça au téléphone, que le directeur de création est quelqu'un d'assez difficile, voire même de colérique, et qu'il peut parfois insulter les gens avec qui il travaille. Oula. Ça me met dans tous mes états, oui. En fait. C'est-à-dire oui, je comprends. Enfin, là, il y a quelque chose de fou. D'ailleurs, vous voyez, ils vous préviennent avant. Ouais, sachez ouais. qu'on a affaire à quelqu'un de colérique, mais c'est même au-delà. C'est quelqu'un qui, oui, il peut même dans ses accès de colère... insulter ses collaborateurs. Ben écoutez, non, je suis désolée. C'est pas parce que cet homme est un créateur qu'il doit tout se permettre. Alors on sait bien, tout c'est parce que le côté artiste, le côté artiste sublime, et qui, ben pourtant il peut pas tout se permettre, il peut pas insulter ses collaborateurs. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est quand même fou qu'on puisse, en prenant un peu, voyez, on prend des gants pour vous dire, voilà, il y a ce poste, je pense que ça vous conviendrait. Enfin, je vous préviens. Monsieur Intel est un peu particulier, vous voyez, parfois il lui arrive d'insulter ses collaborateurs. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a vraiment désespérée, parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai envie de travailler, mais je veux pas non plus me jeter dans la gueule du loup, et je suis en colère parce que j'ai l'impression qu'il me propose cette offre, parce qu'il se dit, de toute façon, les jeunes aujourd'hui galèrent, ils sont prêts à prendre n'importe quoi. Peut-être qu'il y a 2 ans, vous voyez, avant cette épreuve, peut-être que je l'aurais fait. Je me serais dit, bah voilà. Oui, je comprends. J'essaye 3 mois, puis ça va pas. Mais là, en fait, ça me après ce que vous, oui, mais voyez, rien que ça, parce que ça vous remet dans une situation de violence. Avant même de la vivre, on vous prévient que cet homme peut être très agressif, et donc ça vous replonge dans une situation de violence. Et je comprends que vous n'ayez pas envie de vous y remettre. Personne n'a envie d'être confronté à quelqu'un comme ça qui pique des crises, insulte. Bon, mais après, c'est vrai que parfois, comme vous dites, plus jeune, il n'y a pas de travail, on se dit, oh, après tout, bon, peut-être que, tant pis, je fermerai les oreilles, ça peut passer, c'est quand même un bon job. Mais compte tenu, en plus, de ce que vous avez vécu, vous n'allez pas vous exposer à de nouvelles agressions. Donc c'est juste que ma question c'était, je fais ce qu'il faut et j'essaye de faire ce qu'il faut pour avancer, mais est-ce que, comme ça me met de temps en temps j'ai des moments de stress intense, quand je dois passer des entretiens, quand je dois rencontrer des gens que je ne connais pas, à qui je dois accorder ma confiance, est-ce que le MDR, je suis dans des moments où je peux pleurer et je suis vraiment pas bien et... Alors ça, je sais pas. Le MDR, c'est vraiment pour le stress post-traumatique. Hein. C'est vraiment, vous voyez, là pour pas le cauchemar, coup. Cauchemar, j'ai pas de truc comme ça. Non, je dirais pas que c'est de cet ordre-là. C'est, enfin, bon. Je vous pose la question. Hein. Non, que vous continuiez une thérapie, oui. Ouais. En revanche, oui, parce que déjà l'entretien de recrutement en lui-même est une situation stressante. C'est difficile de parler de soi, c'est difficile de se vendre, et d'autant plus quand on a connu une épreuve qui vous a fragilisé comme ça. Donc il faut du temps pour se reconstruire. Bon, et la priorité aujourd'hui, c'est ça, c'est vous reconstruire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aussi, bon, que vous preniez un peu le pouls de l'entreprise pour laquelle vous postulez, d'accord. Après, il y aura toujours des gens, vous le savez bien, Louise, il y a toujours des gens, l'entreprise, elle ne fait jamais l'unanimité à 100%, des gens qui vont se plaindre, qui ne sont pas contents. Bon. Et après, quand vous irez mieux, vous ferez la part des choses. Voyez, voilà. Et il y aura votre désir et votre motivation qui sera la plus forte. Pour le coup, dans ce que vous racontez avec ce poste qu'on vous propose, où on me propose de candidater. Vous voyez, bon, on vous propose. Mais vous savez, moi je les rappellerai en leur disant, écoutez, je trouve assez surréaliste que vous fassiez une proposition de poste en disant que la personne avec laquelle on va devoir travailler insulte ses collaborateurs. Ouais, ouais, ouais.
ouais. Peut piquer des crises. Je trouve crises, ça grave. Peut piquer des crises et insulter ses collaborateurs et que vous l'actiez comme un fait acquis. Mais ça mériterait, enfin, franchement, que. Parce que, au prétexte qu'il n'y a pas de boulot, ça veut dire que quoi? Que les salariés sont prêts à tout accepter, y compris à recevoir des coups de bâton et à se faire insulter? Non. Ouais, je lui ai dit, mais comment savez-vous ça, madame? Comment? Bah, parce qu'elle me dit, parce que c'est un fait notoire et que ça fait longtemps qu'il travaille de cette manière et que c'est... Oui, bah, vous voyez, ça mériterait franchement qu'on leur dise, écoutez, non. Je suis assez choquée par ce que vous me dites. Mais Merci de m'avoir prévenue. Mais franchement, non. Ouais. J'ai pas envie, je suis pas masochiste. Vous pouvez dire, vous voyez, je suis pas masochiste et non. Alors il y a Jo qui dit on va accueillir Sylvie qui est avec nous 3921, mais avant je vous lis quelques SMS qui dit après votre rupture conventionnelle vous auriez pu aller au prud'homme, le délai est d'un an. Jo qui dit j'ai vécu du harcèlement moral, c'est vrai que c'est dur à prouver mais je suis malgré tout au prud'homme. Alors c'est ce que disait Marie Peset, c'est que c'est très dur à prouver le harcèlement moral au prud'homme, hein. Je regrette de ne pas l'avoir fait parce que maintenant j'ai peut-être plus armée, mais sur le moment j'avais juste envie de suivre, en fait. Mais aujourd'hui, je suis très en colère, en fait. Je suis très, très remontée. Et puis, il y a Margaret qui dit il y a un film magnifique, je veux travailler. C'est un film italien de la fille d'un grand metteur en scène. Mais bon, c'est pas. Voilà, je veux travailler, ça s'appelle. Et puis, il y a Solène qui dit enfin, quelqu'un comme moi qui a peur des CDI suite à une mauvaise expérience professionnelle où tout le monde voulait partir en arrêt ou était en arrêt maladie. Et puis, il y a Marie qui dit de tout mon cœur, du courage pour Louise, à laquelle je conseille Les heures souterraines de Delphine de Vigan. Alors, je ne connais pas ce roman. C'est chez Jean-Claude Lattès. Je connais son roman juste sur la nuit. J'ai oublié le titre, qui est magnifique, où elle parle de sa famille, de l'histoire de sa famille. Mais je ne connais pas Les heures souterraines. Donc... en tout cas, on accueille maintenant Sylvie, qui est avec nous au 3921. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir, Louise. Bonsoir. Moi, j'ai souhaité intervenir parce que j'ai vécu, peut-être sous une autre configuration, mais en fait, je me reconnais en Louise presque à 200%, puisque moi, je travaillais pour une entreprise pendant de nombreuses années, et puis j'avais subi un harcèlement moral suite à un changement de poste. Et ça a duré longtemps. Je travaillais de 8h du matin à 3h du matin en tant que cadre. Parce que je voulais absolument prouver, je dirais, ma capacité, etc. Et puis, en fait, j'avais beau faire tout ce que je voulais, c'était du harcèlement moral qui se passait dans le bureau du responsable, sans témoin, bien évidemment. Et quand je ressortais du bureau, j'étais complètement démolie. Mes collègues savaient très bien ce qui se passait. Mais bien évidemment, personne n'intervenait, puisque de toute façon, chacun tenait à sa place. Ça a duré pendant 9 mois. Mais c'est ce qui est terrible, Marie Peset en parlait dans l'émission qu'on a fait, c'est que c'est ce silence aussi. Des autres. Ce silence, c'est-à-dire que en général, les collègues peuvent se rendre compte, mais tout le monde se tait par peur, par peur de perdre son boulot. Enfin, alors qu'en fait, elle dit là aussi, il y a trop d'individualisme aussi dans le monde du travail. Ouais. Alors que s'il y avait aussi plus de solidarité, même de dire, je sais ce que tu vis, je sais ce qu'on te fait, c'est pas normal. Sache que on est à tes côtés, tu peux compter sur nous. Déjà, ça, c'est important parce que ce qui arrive, on pense, ça me concerne pas, tant que je suis pas touchée, je dis rien. Mais ce qui arrive à son collègue ou à sa collègue, et quand bien même on l'apprécie pas trop, ce collègue, ça peut très bien nous toucher quelques temps plus tard. Moi, ce que je voudrais dire surtout, c'est que j'ai traversé comme ça. Alors donc, ce que je veux dire à Louise, c'est que on n'est pas des personnes fragiles. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que, mais ça, on peut s'en rendre compte que plus tard, c'est que il n'y a pas de bourreau sans victime, il n'y a pas de victime sans bourreau. Donc, automatiquement, au moment où la personne nous prend en proie, c'est parce que on a, c'est pas une faiblesse, mais elle a décelé une faille.
Non, mais je suis d'accord. Donc, c'est là-dessus ensuite qu'il faut travailler. Mais après, moi, je me suis fait convoquer par les RH, puisque, à un moment, enfin, en fait, j'ai consulté un avocat 4 mois après que ça ait commencé. Et ça m'a donné de la force. Alors, pas beaucoup de force, mais ce qui fait que, ensuite, les autres moments où on me harcelait, toujours dans le bureau, je me suis dressée devant mon responsable. Et là, je lui ai pointé mon doigt vers lui en lui disant « Qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi ce que tu veux. » Et en fait, il y a eu un changement de comportement, ce qui fait que mon responsable a été déstabilisé. Maintenant, il a continué ensuite. Mais du coup, je lui dis « Tu veux que je parte ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu cherches ? Je fais mon travail. Maintenant, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va voir les ressources humaines. » Et puis, je pensais que ça s'était passé. Et 2 mois après, il m'a fait convoquer par les ressources humaines. Et moi, en fait, j'y suis allée. Et j'étais pas bien, j'étais comme vous. Je pleurais en partant du boulot à 22h. Moi, j'avais pas de petite amie. J'avais mes parents, mais bon, voilà. On se demande si parfois c'est nous qui avons un problème au début. Moi, je pensais que j'étais folle. Hein, à mon non, donné, non, j'étais... mais on n'est pas folle. On est très intelligente. On est forte. Mais à un moment donné, on est sapé et on est usé. Et ça, je veux dire, si on est, il suffit qu'on ait une certaine sensibilité. Ce qui est très nocif, on le reçoit de façon très forte. Et ce qui est très bon, on le reçoit de façon très forte. Donc c'est super, mais dans les moments douloureux, c'est très intense et il faut surmonter tout ça. Et le fait d'avoir vu cette avocate, elle m'a dit, voilà... elle était super cette avocate, il y a un contact qui est passé et elle m'a dit le harcèlement moral c'est quasiment impossible de le prouver. Oui. Bon, j'avais pas de mail, c'est que de l'oral. Oui, hein. Oui, non, mais de toute façon, c'est très dur. Mails, oui, c'est non, très non, difficile. Oui. Enfin, oui. C'est très difficile. Donc en fait, bon, moi je les ai. J'étais très en colère, mais une colère rentrée. Donc, qui me mangeait, qui me rongeait de l'intérieur, je perdais du poids, pas autant que vous. Mais par contre, j'étais toute grise. Je travaillais le dimanche, le samedi, j'étais obligée de dormir 3 heures parce que j'avais des déplacements à l'étranger aussi. J'étais toute grise et je me voyais même plus. C'était mon entourage qui me disait « Mais t'es pas bien, fais attention, ne donne pas tout pour ton travail. » Et moi, je disais « Mais ils comprennent pas, là, ils comprennent pas. Je dois faire mes preuves. » En fait, j'étais vraiment dans un cercle vicieux. Et moi, ma responsable savait très bien que j'étais comme ça. Donc, elle appuyait encore plus sur la pédale. Et en fait, c'était prévu aussi dans l'entreprise qu'il fallait qu'il y ait des gens qui partent parce qu'il y avait trop de personnes. Donc, bon, tout ça, c'est une organisation. J'ai consulté aussi le médecin de l'entreprise. Je lui ai fait part. Donc, en fait, je faisais des mails où je traçais mes entretiens avec mon responsable et j'envoyais ça au médecin de l'entreprise. Mais il m'a demandé s'il voulait que j'intervienne, s'il voulait qu'il intervienne. Oui, c'est bien, vous avez su trouver des appuis, hein, quand même. Est-ce que c'est j'ai important. Consulté cette avocate? Oui, mais c'est très bien, vous avez su faire appel. Mais vous n'avez pas eu peur aussi de pointer le problème devant votre entreprise? Le problème, c'est que je l'ai pointé envers la médecine du travail, mais j'ai jamais voulu que le médecin intervienne auprès de la direction. Et comment ça s'est terminé alors, Sylvie, votre histoire? Alors, pour faire court, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Oui, mais j'ai d'autres témoignages. J'ai Gérard et Léonore en attente, donc je voudrais qu'on les accueille alors, également. Alors, pour faire court, en fait, au final, 9 mois donc plus tard, enfin, je veux dire, où ça a commencé, un soir, j'ai eu ma responsable qui me demandait de faire quelque chose pendant le week-end. J'étais déjà débordée. Et là, j'ai eu un déclic. Je l'ai appelée et je lui ai dit que je ne pourrais pas le faire. Elle m'a dit « c'est ton problème ». J'ai raccroché, je suis partie et je ne suis plus jamais revenue. Donc je suis allée voir un médecin, mon médecin, et je me suis fait arrêter. Ensuite, c'est la même chose, je n'ai pas dit au revoir, je suis partie. Ouais. C'était carrément pour incapacité... j'ai réussi à obtenir un entretien avec le médecin du travail à 2 reprises qui m'a déclaré inapte.
c'était mon seul moyen de sortir. Me permettre, je trouve ça grave parce que là-bas, on n'est pas inapte. C'est non, la... mais je suis pas inapte. Oui, mais c'est une façon de se protéger aussi, quand même. Personne n'est dupe, et c'est une façon de se protéger. Et comme vous dites, c'est pour ça, c'est ce que j'aimais bien. C'est à un moment, il faut sortir du binôme bourreau-victime parce que souvent, c'est l'organisation du travail que ça remet, qu'il faut remettre aussi en question. De toute façon, là, je savais que je ne pouvais plus me battre, que c'était voilà, fini. C'est ça, il ne faut pas s'user non plus. Je le comprends. J'ai lâché prise, mais attention. J'ai lâché prise, mais ça m'a demandé beaucoup d'énergie derrière. Parce qu'il a fallu que j'accepte que ce poste que j'avais convoité, que j'avais obtenu parmi 4 candidats, il a fallu que j'accepte de partir et qu'on me déclare inapte. Mais c'était ma santé. Ensuite, je les ai attaqués au prud'homme. C'est-à-dire qu'ensuite, j'ai revu mon avocate, j'ai vu une faille, on a vu une faille dans mon contrat de travail. Et là, ça a duré 1 an. Alors, ça a été imprimer des mails, prouver que je travaillais à des horaires indus, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été lourd pour moi. Donc, ma colère, elle est sortie comme ça, mais ça a été beaucoup d'énergie aussi. Ce que je veux dire, c'est que la colère, elle sort en faisant des actions. Et des actions pour se réparer soi-même. C'est-à-dire, pour moi, je ne pouvais pas partir sans les attaquer. Mais en même temps, il y a des moments où je me suis dit, oh, j'aurais mieux fait de pas les attaquer parce que qu'est-ce que ça me coûte? Au final, j'ai accepté, mais il m'a fallu du temps. Et ce que je voulais juste vous dire, après, je pourrais laisser mon téléphone si vous voulez me contacter. Oui, avec plaisir. En antenne, vous pourrez laisser votre téléphone à Louise et vous pourrez continuer cette discussion. Que j'ai essayé plusieurs méthodes. Oui. Pour conclure. Faire du sport, même toute seule. Relaxation. Voir des cabinets où j'ai fait du coaching. Pour passer des entretiens, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a pas apporté, mais ça pourrait apporter. Et puis surtout, j'ai rencontré un grand dirigeant qui avait connu cette même configuration, mais qui a fait une dépression, qui m'a dirigé vers un réseau de cadres. Et en fait, j'ai rencontré d'autres personnes. Et c'est comme ça, à force d'être dans l'action, que on se soigne soi-même et d'essayer plusieurs pistes. Oui, vous avez été très entreprenante, hein, malgré tout. Vous avez su frapper aux bonnes portes. Oui, vous avez été courageuse, tout à fait. Ce que je peux juste dire à Louise, c'est que toujours, on a après une sensibilité par rapport à ce qui nous est arrivé. Et ça, il faut l'accepter. Oui, mais ça peut être bien. Mais ça peut être une bonne chose, et ça peut vous rendre aussi plus sensible à ce qui peut se passer aussi pour vous, mais aussi pour les autres. Et en même temps, avoir des warnings par rapport à notre comportement. Exactement. Et essayer de corriger. Oui, c'est mieux plutôt que l'indifférence. Merci Sylvie, et bravo, parce que vous êtes bien battue. Donc vous n'êtes pas restée comme ça passive à subir, donc vraiment bravo pour ce que vous avez fait. Vraiment, et ne raccrochez pas hors antenne, on laissera... Oui, bien sûr, merci pour votre proposition. On laissera vos coordonnées à Louise parce que vous êtes très combative, donc c'est important de pouvoir échanger. Attendez, on va non parce que j'ai beaucoup d'appels, beaucoup d'appels qui attendent là, qui patientent depuis un moment, dont certains sont en voiture. Donc je voudrais qu'on donne la parole à Gérard. Bonsoir Gérard. C'est possible de rebondir. Merci beaucoup Sylvie. Au revoir. Bonsoir Gérard. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci pour vos émissions que j'écoute, comme je me couche très tard, que j'écoute. Tous les soirs. Voilà, merci, je voudrais rassurer la petite Louise là, qui, je pense, démarre, d'après ce que j'ai compris. Alors, vous connaissez bien ce métier, hein, Gérard. Vous êtes designer, je crois. Ah oui, moi je suis vieux routard là. Moi j'ai survécu, Alors comment on survit dans ce milieu? En étant plus mauvais qu'eux. Guide de survie. Voilà, en étant plus. En étant plus pourri qu'eux, quoi. Non, je peux pas vous laisser. Non, c'est pourri, pas un bon conseil. En étant plus. Oui. Dans ce métier de la création, moi j'ai travaillé dans la mode pendant 25 ans, j'ai travaillé encore en indépendant, ce qui n'est pas donc Louise, elle peut comprendre, en étant
pas aussi sentimentale et elle est très gentille, Louise. Elle, est mais elle gentille a l'air avec... toute gentille, mais dans le bon sens du terme, c'est je trouve. Trop enfin. Gentille. Ouais. Hein, voilà, trop gentille. Et puis, les gens du travail, ce ne sont pas des amis. Ce sont des gens qui tiennent à leur boulot. Vous arrivez, vous êtes... bien souvent, vous sortez des écoles de mode ou autre, ou de création. Vous arrivez toute jeune. Et ben, les dames qui sont là depuis 30 ans ou depuis quelques années, elles ont peur. Parce qu'elles savent très bien qu'elles ne peuvent pas aller ailleurs. Donc, elles ne vous laissent pas passer. Donc, il ne faut pas... avoir de sentiments. Il ne faut pas avoir de sentiments. Il faut faire son trou, c'est tout. Il ne faut pas avoir de sentiments. Mais vous savez, on en parlait justement dans cette émission avec Marie Peset. Elle disait que c'est souvent les nouvelles techniques de management où il faut justement devenir presque indifférent au sort des autres. Oui, mais est-ce que c'est vraiment une méthode ? Oui, pour résister, mais à quel prix ? À quel prix ? À être tranquille. À vouloir être tranquille, à vouloir faire sa place, à avancer, à se protéger. Parce que ces gens-là, si vous voulez, moi j'en ai rencontré, ils ont beaucoup de personnalité, mais s'ils rencontrent quelqu'un qui a plus de personnalité qu'eux, ils s'écrasent. Ils s'écrasent. Quand ils voient une jeune styliste ou un jeune designer qui est gentil, ils en profitent. Ils en profitent encore plus. Donc, je veux dire, on ne peut pas... D'ailleurs, c'est même pas de la personnalité. Je trouve qu'il y a un côté très caractériel dans ce qui oui, était décrit par certains. Il y a beaucoup de personnes dans ce métier-là caractériel ou qui ont du caractère. Oui, c'est pas la même chose, d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et puis, c'est pas forcément... négatif d'être caractériel. Si, être caractériel, si, c'est un problème. Ça rend pour les autres, si. Ça rend la vie en société très compliquée. Avoir du caractère, avoir de la personnalité, c'est une bonne chose. Être caractériel, c'est vraiment pénible pour ceux qui vous entourent. Oui, mais les métiers de la création sont des métiers qui... Ça ne justifie pas tout. Qui sont complètement dehors du système. Oui, d'accord. Mais ça ne justifie pas tout d'être un artiste. Ça ne justifie pas tout d'être... Ça ne justifie pas d'être de se comporter comme un sale type. Vous voyez ? Ça ne justifie pas d'être un sale type et d'humainement de mal se comporter, d'être un créateur ou un artiste. C'est mon point de vue, mais bon... Voilà. Bon, on va continuer à en parler. Gérard, on accueillera Pierre. Restez avec nous, Louis, ça sera après le journal. À tout de suite. Continue sur Europe 1 avec ce soir vos témoignages très nombreux suscités par l'intervention de Louise qui nous parle d'une situation de harcèlement qu'elle a vécue dans le cadre de son travail. Vous êtes très très nombreux à réagir. Alors déjà par mail, il y a Clémentine qui dit merci à vos mails sur le site europe1.fr. Clémentine dit merci pour vos témoignages, c'est rassurant de ne pas se sentir seule. Je suis à l'heure actuelle dans une situation similaire à celle de Louise. Je suis en poste et mon responsable me détruit moralement. Anna qui dit « Je voudrais réagir au témoignage de Louis. Je vis la même situation actuellement en CDI dans un gros cabinet d'avocats, victime de harcèlement moral de la part d'un associé très bien installé dans le cabinet. Je souhaite partir depuis plusieurs mois et passer une dizaine d'entretiens sans jamais donner suite par peur de me retrouver dans la même situation. » Et puis il y a First Lisa qui dit « Surtout pour les preuves, envoyer des mails pour acter les faits. » Et puis il y a David qui dit « Le monde de l'entreprise privée est très dure, voire hard. Je crois que sur Europe 1, vous êtes à l'ouest par rapport à ce qui peut se passer dans une entreprise », nous dit David. Ben non, on écoute les témoignages et on voit que effectivement beaucoup de salariés vivent des choses difficiles. C'est pour ça qu'on avait fait d'ailleurs cette émission sur la souffrance au travail et où il y avait eu beaucoup, beaucoup avec Marie Peset et où on avait eu beaucoup, beaucoup d'appels. Donc Louise, vous êtes toujours avec nous. Oui, je vous écoute. Il y a également Gérard. Donc Gérard, vous êtes designer. Oui. Vous dites bon, pas de sentiments dans le monde du travail. Bah, et finalement, avec les gens qui n'en ont pas, non. Voilà. C'est pas, donc c'est une manière de se protéger aussi. Hein. Vous êtes protégé. Vous avez tracé votre voie de cette façon-là, et vous dites que finalement, c'est un milieu effectivement assez dur où il y a des égos assez forts et où il est important de pouvoir s'affirmer. Oui, mais on peut y travailler. Maintenant, il faut trouver sa manière de travailler pour se sentir bien. C'est vrai que si on est créatif, et je pense que Louise, bon, je ne la connais pas, mais c'est peut-être une créative, elle a peut-être de la difficulté
à être dans une structure aussi. Avec... Je pense que j'ai mis beaucoup d'affect dans mon travail. Ouais, et non, il faut du pas. Coup, c'était mon premier job. Moi, je sortais de 6 mois de chômage. Et c'est vrai que du coup, ce premier job, j'avais envie d'être excellente. J'avais envie d'apprendre de quelqu'un aussi. Donc, j'ai mis beaucoup d'affect, oui. Beaucoup de... Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais vous dire, Louise. C'est ça. Vous avez mis... Quand j'ai dit qu'il faut être plus dur qu'eux, c'est... il ne faut pas confondre ses amis que l'on a à l'extérieur et les gens avec qui on travaille. Nous, on est un produit, on ramène de l'argent. C'est pas ma vie, hein, mais... Voilà. On est un produit, on ramène de l'argent. Ils sont gentils parce que vous leur amenez de l'argent. Et puis après, voilà. Donc, vous aviez peut-être effectivement essayé de trouver un recours auprès de cette personne qui est complètement... sans sentiment, en fait, et qui a profité de vous. Mais vous pouvez aimer le milieu de la création et pas forcément les gens, et arriver à trouver la manière de travailler. Moi, je suis en indépendant parce que, justement, j'ai commencé en CDI, et puis, petit à petit, ma carrière a fait que je l'ai développée en indépendant, et j'ai toujours très bien gagné ma vie en indépendant. Il y a des possibilités, maintenant, les sociétés de portage. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre directement dans les URSSAF et dans tout le réseau administratif. Une société de portage peut facturer pour vous. Et vous comprenez, il y a plein de possibilités actuellement qui, moi, à mon époque, il n'y avait pas il y a 25 ans, 30 ans. Là, maintenant, c'est facile d'être en portage. Hein, mais je comprends ce que vous dites. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que je n'aurais pas réagi de la même manière à son comportement, mais sur le moment, je m'attendais à tout sauf à ça. Oui, parce que vous étiez jeune. Oui, je le suis toujours. Elle est toujours, elle a 28 ans. C'était mon premier job, sur 6 mois de chômage, mais bon. Je crois que j'avais envie de... Mais elle a eu peur de vous, de votre savoir, de votre jeunesse, et elle garde sa place parce qu'elle sait très bien, elle sait très bien que sortant de là, elle aura plus grand chose. En plus, elle doit être très estampillée par rapport à la marque dans laquelle elle est. Donc, c'est pas évident. On garde plus les gens de 30 ans maintenant. Ouais, bien sûr. Ouais, on garde plus les gens de 30 ans. On reste 2-3 ans et puis hop. Voilà, donc oui, elle, mais c'est très juste ce que vous dites, Gérard. C'est qu'elle-même peut réagir de façon comme ça extrêmement agressive, voire violente, parce qu'au fond d'elle-même, elle a peur, quoi. Ce qui ne justifie pas une telle attitude, mais qui peut expliquer des comportements où ceux qui agissent, qui se comportent comme des bourreaux, sont eux-mêmes terrorisés par toute une organisation où elle a très peur, en fait, de perdre sa place. Elle tyrannise tout le monde, quoi. Oui, parce que bon, Louise, elle arrive, alors que peut-être cette dame, elle a des prêts, elle a des crédits, elle connaît très bien le système, elle connaît très bien le milieu, donc une petite jeune qui arrive, vous savez, moi en même temps, j'ai diversifié, donc je fais beaucoup de choses, j'interviens dans des écoles de mode actuellement depuis pas mal d'années, et je vois, vous savez, on prend des jeunes stagiaires, 9 mois de stage non rémunérés, certains. Oui, mais ça, la situation des stagiaires, on pourra en parler aussi. Voyez, parce qu'il y a beaucoup à dire, là. Moi, je parle des milieux de la création. Ils font un boulot de salarié, évidemment, non payé. Bien sûr, Mais c'est vrai que, comme disait Louise, on peut aimer le milieu de la création, pas forcément les gens. Et les gens... C'est embêtant parce qu'on n'est pas des robots, on a quand même besoin de rapports humains, même si on fait la distinction entre des amis et des collègues de travail, qui d'ailleurs certains peuvent devenir des amis. Mais on a quand même besoin de rapports humains, d'échanges, au moins cordiaux. Oui, voilà. Cordiaux, là, c'est dans certains milieux, c'est difficile. Mais on en trouve dans certaines sociétés, on peut, pas forcément avec sa chef, mais on peut en trouver avec des collègues. Mais il faut savoir que c'est pas les milieux de la création, c'est pas forcément, je dirais entre guillemets, un milieu normal comme on irait. Voyez, donc. J'entends ce que vous dites. Je conçois ça et en même temps j'aime ce que je fais, mais je crois que j'ai besoin aussi d'être heureuse dans mon travail. Oui, c'est ça. Il faut y réfléchir parce que à ce moment-là, il y a peut-être, si c'est pour travailler avec des gens où vous avez quand même besoin d'y mettre, de vous investir et d'y mettre de votre personne, y compris dans ce que, à ce moment-là, peut-être qu'en indépendant, Gérard a raison, ça vous conviendrait mieux. Parce que de toute façon, Louise, vous allez la supporter. Elle est peut-être désagréable, mais elle va être désagréable quand vous allez aller au bureau un jour par semaine, par exemple, votre contrat, c'est ça, un jour par... Donc, après, vous n'allez plus la revoir pendant 2 ou 3 semaines. Donc, si elle a été désagréable,
ça va pas vous atteindre. Mais c'est fou quand même que vous me disiez qu'en fait les gens du milieu de la création sont pas sympas. Ça me rend presque triste quand même, parce que moi je pensais vraiment. Bon, y a Clémence qui envoie un SMS. Ouais. Elle est dans la créa, dit-elle. Elle est chef d'entreprise. Elle est pas d'accord avec le tout sans affect, dit Clémence. Donc voilà, si elle est chef d'entreprise, il faudrait qu'elle vous appelle, voir si elle recrute. ça serait pas mal. 39-21. Voilà, si vous pouvez aussi mettre un peu d'affect, pourquoi pas, et voir avec Louise. Merci beaucoup, Gérard, en tout cas. D'avoir pris la. Mon numéro à Louise si elle veut m'appeler. Moi, je suis un vieux routard, il n'y a aucun problème. Ben, vous pourrez être de très bons conseils. Oui, merci. J'ai survécu. Vous savez naviguer en eau trouble. Oui, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Absolument. Merci. Bon, ben, écoutez, merci. On va lui donner vos coordonnées ainsi que celles de Sylvie. Merci en tout cas de votre solidarité. Voilà. Merci de vous investir et merci d'avoir mis des sentiments pour Louise et de continuer à en mettre. Voyez. Et puis qu'elle continue. La vie est longue. C'est pas de quoi demain. Oui, voilà. Vous avez raison. Merci beaucoup, Gérard. Au revoir. Merci, Caroline. Bonne nuit à vous. Bonne nuit, au revoir. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Oui. Alors, vous êtes chef d'entreprise ? Oui, moi, je suis chef d'une petite entreprise. Je travaille dans l'événement, c'est-à-dire que là, je suis arrêté sur une aire d'autoroute où je viens de travailler à Monaco et je file à Courchevel. Effectivement, c'est des hauts lieux où il se passe beaucoup de choses. Oui, je cite ces lieux-là particulièrement à cette occasion parce que moi, j'ai choisi de créer tout le temps. Oui. On a un métier où il est nécessaire d'avoir deux idées à la seconde. J'ai choisi de créer une entreprise depuis l'âge de 24 ans, j'en ai 49. Oui. Et je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un d'autre que moi-même. On va dire ça comme ça. Et je peux pas entendre ce que dit Gérard. Je comprends pourquoi il le dit et j'admets qu'il a certainement raison pour l'avoir lui-même vécu dans ce métier de la création. Alors je ne compare pas la création d'un événement avec la création de la mode ou d'un parfum, j'en sais rien. Je côtoie beaucoup de gens dans la mode et beaucoup de gens. Moi, je dis à Louise... J'ai choisi d'être chef d'entreprise. Je peux comparer maintenant les deux époques, on va dire, hein, c'est-à-dire il y a 10-15 ans et l'époque que nous vivons aujourd'hui. Je dis à Louise, refusez cette candidature, c'est impératif, c'est obligatoire. Mais je ne l'aurais pas fait, hein, celle où on lui disait que la personne, en fait, avait des accès, était colérique et donc il lui arrivait d'insulter ses collaborateurs. C'est de celle-là que je parle précisément. J'ai fait le choix de mettre du sentiment dans mon travail parce que, comme le dit Louise, on peut se dire, comme disait Gérard, on peut se dire aimer un métier et ne pas aimer les gens de ce métier. Et qu'est-ce que ça veut dire? On va travailler 8 heures, 10 heures par jour. C'est terrible, oui. 10 heures par jour sur 24, si on est obligé d'en dormir 8, ça fait 18 heures par jour pendant lesquelles soit on n'est pas très conscient, c'est-à-dire qu'on dort, et pendant les 8 ou 10 autres heures, il faudrait côtoyer des gens qu'on n'aime pas et des gens dont on est absolument certain qu'ils vont nous insulter à un moment ou à un autre. Mais je dis, n'acceptez jamais ça. J'ai fait le choix j'ai fait le choix d'abord pour moi de vivre dans une toute petite campagne le plus loin possible, quitte à me lever très tôt pour aller prendre des avions et côtoyer ce monde-là, et puis voyager beaucoup dans plus de 35 pays. Nous travaillons dans plus de 35 pays, dans toutes les régions de France. Il y a un coût à la qualité de la vie, mais il y a un coût aussi au recrutement de gens dans cet esprit-là. J'ai choisi de recruter des gens qui travaillent avec moi et qui travaillent dans les deux ou trois entreprises que j'ai eu l'occasion d'ouvrir, qui sont toujours ouvertes d'ailleurs. Mais OK, il y a 15 ans, c'était plus facile. Il y a 5 ans encore, c'était plus facile. Aujourd'hui, c'est plus rugueux, c'est difficile. Mais on ne doit pas accepter ça. Je n'ai jamais accepté une candidature de quelqu'un qui vient se livrer comme un produit parce que je cherche des gens qui ont du sentiment justement pour leur métier et du sentiment pour les gens avec qui ils vont travailler. Sinon, dans quel monde nous rendons ?
Oui, c'est important de dire qu'il y a quand même aussi un regard qui évolue sur l'entreprise. C'est vrai qu'il y a des choses très dures qui s'y passent, mais heureusement, il y a des chefs d'entreprise qui sont en train de se rendre compte qu'il y a quand même des méthodes de management qui vont pas, où les salariés vont pas bien, où finalement, absolument, ça se retourne contre eux. Et le fait que plus les salariés se sentent bien dans leurs entreprises, mieux c'est pour l'entreprise. Donc, ils ont tout intérêt à... Pourquoi on a fait une tas d'études sur les risques les psychosociaux et autres, c'est qu'on se rend bien compte qu'ils ont tout intérêt à ce que leurs salariés se sentent bien. Vous savez, Caroline, je pense que c'est comme dire merci, être poli et comme ce qu'on apprend à nos enfants. Non seulement dire merci, c'est plus sympa, c'est plus agréable, mais c'est ultra stratégique. Nous vivons en tant que petites entreprises exactement la même chose, la même pression que ce que vit Louise aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nous faisons des compétitions tous les jours, comme Louise s'apprête ou s'apprêtait à faire une candidature, c'est-à-dire une compétition, et nous sommes pris pour des esclaves parce que nous sommes de petites entreprises, que les affaires sont dures, qu'on a affaire à des grandes entreprises que je ne nommerai pas ici parce que c'est trop facile de les nommer, mais qui représentent la France, qui représentent notre pays et qui saignent à blanc les petites entreprises que nous sommes. Moi, je ne peux pas imaginer faire le quart du dixième, du millième à un employé, à une collaboratrice, à un collaborateur, de ce que nous font ces grandes entreprises. Nous devons refuser de rentrer dans ce monde-là. C'est pas possible de vivre comme ça. Enfin, on ne peut pas travailler 10 heures par jour. Travailler avec du sentiment dans son travail et sans sentiment dans sa vie relationnelle. C'est pas... Exactement. Comment si Gérard s'en est super bien sorti, je suis très heureux pour lui. Il travaille en indépendant aussi, hein, donc ça entre en ligne de compte. Et bien sûr, bien sûr. C'était sa façon, lui, de s'adapter. Mais si Louise, demain, devient indépendante, ce que je peux lui souhaiter, je ne vis que comme ça depuis 25 ans, et j'en suis très heureux, pas toujours, dans la facilité, pratiquement jamais, mais en tout cas, je ne changerai pas ma position pour une position d'employé, mais il faut dire à Louise qu'on a besoin de faire ses armes dans une entreprise, qu'il est difficile d'être indépendant du jour au lendemain, parce qu'il est difficile de trouver des clients, il est difficile de persuader, il est difficile de faire sa place dans un marché. Donc c'est d'autant plus difficile ainsi de se trouver en position d'indépendance. Mais je dis que philosophiquement, humainement, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Oui, non, mais moi je suis d'accord avec vous, et c'est pas être cuicui les petits oiseaux, le monde de oui-oui, de dire que heureusement que tout le monde, enfin, de pas basculer dans le cynisme ambiant et de dire que ce qui, elle en parlait Marie Pesé dans cette émission sur le fait que dans les méthodes de management, le courage qui était prôné par certains dirigeants et dans ces méthodes-là, c'était de pouvoir se montrer très indifférent à la souffrance d'autrui, c'est-à-dire lié à ces méthodes de management, mais pouvoir résister, il y a une perversion même de la notion de courage, c'est que la souffrance d'autrui ne nous affecte pas. Heureusement qu'il y a des gens qui se montrent quand même encore capables d'empathie, encore capables de sensibilité, parce que sinon dans quel monde vivrions-nous, y compris dans les entreprises. Donc il ne faut pas que l'individualisme gagne du terrain à ce point-là, le cynisme non plus. Donc heureusement qu'il y a des gens quand même qui résiste à ça et qui devrait encore résister davantage, quoi. Donc Je pense que la résistance est un bon conseil. Je pense qu'il faut simplement, dans un cas extrême comme celui-là, parce que je trouve que ce cas est extrême, refuser une candidature ou on est en train de vous dire qu'on va vous insulter. Enfin, c'est ce que dit Clémence aussi, qu'il dit apparemment avec Pierre, on fait le même métier et on a la même philosophie. On est juste respectueux des gens et de nos salariés pour qu'on ait de l'estime. Et Clémence ajoute, je les chouchoute aussi parce que j'ai besoin d'eux. Hein. Donc elle dit courage, Louise, et refuser cette offre. Voilà. Merci beaucoup, je suis très touchée. Bien sûr qu'il faut refuser. Il faut refuser parce que, comme je dis à propos du merci ou de la politesse qu'on enseigne à nos enfants, il est très clair que, au-delà d'une éducation ou d'un savoir-vivre ou peut-être d'une façon de se comporter, au-delà de cela, il est stratégique de se comporter correctement et avec respect d'abord.
auprès d'autrui et avant tout auprès de ses collaborateurs. Vous n'embaucheriez pas par hasard, Pierre ? Vous n'avez pas besoin de quelqu'un ? Non ? C'est très possible. Le problème, c'est les conditions de l'embauche en France aujourd'hui. Mais là, c'est un autre sujet. Hein. Vous serez un bon employeur. Bon. Non, je dis ça pour Louis, pour vous, Louise. Hein. Moi, j'essaye. Vous êtes reparti avec une moisson de numéros, mais bon, c'est pas. C'est vrai que. Voilà. Donnez mon numéro à Louise, il n'y a aucun problème, vraiment. Bon, ben voilà, vous verrez bien. Voilà, vous pourrez toujours vous rencontrer, peut-être discuter et puis la réconforter en tout cas. Vraiment, je vous remercie. Hein, tous, vous, merci Pierre, beaucoup, vous êtes sur la route. Donc, merci beaucoup d'avoir pris la peine de vous être arrêté. Ça fait du bien d'entendre que, voilà, qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont encore une vision. Je dirais, vous avez envie que votre entreprise soit compétitive, obtienne des marchés. Vous n'êtes pas dans le monde de oui-oui. Mais pour autant, vous avez aussi envie d'avoir des rapports respectueux avec vos collaborateurs et quand même un minimum d'estime réciproque. Voilà, sans mettre de 70 heures par semaine. Bon. Si pendant 70 heures par semaine, on est dans un climat de tension et dans un climat c'est infernal. C'est un coup à tomber malade, oui. De tentatives de subordination, de tentatives d'obtention de choses. Vous savez, j'ai un deuxième métier qui consiste à élever les chevaux. Nous sommes égaux sur ce point avec les chevaux. Il est toujours plus facile et efficace d'obtenir la volonté, la grâce d'un animal ou la grâce d'un cheval, en l'occurrence, plutôt que de le forcer à faire des choses. Surtout pas un cheval. On ne peut pas le forcer. Et puis, c'est vraiment un animal extrêmement sensible et émotif. Hein. Donc, c'est moins qu'on puisse dire. vous êtes quelqu'un de bien. Si vous aimez les chevaux, vous ne pouvez être que quelqu'un de bien. Vraiment, décidément. J'en ai plein à la maison. Ne dites pas ça, alors. Bon, écoutez, vous amènerez peut-être Louise en balade, un de ces quatre. je vous embrasse. je vous embrasse, Pierre. Merci, bonne route. Je pense que Jeanne a pris vos coordonnées. On va les transmettre à Louise. Alors, merci beaucoup. Louise, vous avez vu, vous avez bien fait d'appeler parce que, franchement, il y a eu beaucoup de réactions. Vous avez bien expliqué la situation, vous avez touché les auditeurs, donc en tout cas tous ceux qui se sont manifestés, et ils étaient nombreux, et je vous prie de m'excuser pour tous ceux qui n'ont pas pu témoigner. Désolée, vous étiez très nombreux. Il y a d'autres personnes qui étaient en attente après Louise, et je vais essayer de les passer dans la demi-heure qui nous reste. Pardon pour tous ceux qui s'étaient manifestés pour vous, mais peut-être qu'en antenne, on pourra transmettre des coordonnées. Et puis vous pourrez nous donner de vos nouvelles. Oui, je le ferai. Dans quelques temps. D'ici quelques mois. Encore un petit message de Robert Destampes qui dit « Allez, refusez, Louise, effectivement, cette proposition. Avancez, vous allez voir, il n'y a pas que des exploiteurs. » Ah, super. Je vous embrasse, Louise. Et merci beaucoup, Pierre. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à vous. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Alors, encore quelques messages. Catou dit, vous savez, dans le travail social, il y a aussi beaucoup de difficultés relationnelles en tout genre, entre les collègues, les subordonnés et avec les familles aussi pour lesquelles nous intervenons. Rosa qui dit certes les personnes qui harcèlent ont toujours des excuses, on peut avoir des raisons à cela. Pour autant, c'est pas acceptable. On ne doit pas aller au travail la boule au ventre parce que ça devient malheureusement trop fréquent. Et puis quelqu'un dit ça fait du bien d'entendre ces entrepreneurs indépendants. Il parlait de Gérard, de Pierre. Bravo à eux et à leur éthique. Puissent-ils servir d'exemple? Et puis il y a aussi Fatia qui disait, je disais que malheureusement dans le monde du travail il y avait aussi trop souvent beaucoup d'individualisme et qu'on n'était pas assez solidaires les uns des autres. Elle disait moi c'est l'inverse dans mon boulot, j'ai vraiment trouvé du soutien auprès de mes collègues. Nous étions quatre à parler à notre direction, l'union fait la force, le chef est toujours là, mais comme on est très solidaires, maintenant ça se passe bien. Oui, et vous avez raison, c'est vrai, l'union fait la force et on l'oublie, et c'est vrai que là aussi il faudrait plus de solidarité au lieu de faire le gros dos tout seul dans son coin. On accueille maintenant Loïc. Bonsoir. Bonsoir.
bonsoir. Bonsoir Loïc, et merci beaucoup de votre patience parce que vous deviez passer après Louise, donc vraiment. J'ai eu des petits soucis avec Jeanne et Jeanne a été adorable. Tant mieux alors si elle vous a permis de patienter, parce que je suis désolée, c'est du direct, on ne sait jamais quand. On vous dit quand vous allez passer exactement. Et c'est vrai qu'un témoignage peut entraîner beaucoup de réactions. Donc, bon, on donne la priorité à la réactivité. Je ne dirais pas, j'avais promis à Jeanne de ne pas en parler. Mais Louise travaille exactement dans le même métier que moi. Et moi, je suis un auto-entrepreneur. Et je fais travailler des gens. Et c'est simple, comme tout. Et si Jeanne est douée, ce que j'espère, je pense qu'elle est douée. Je me vends en tant que directeur de communication et puis après je fais travailler les graphistes, des stylistes ou ce genre de choses quoi. Donc voilà. Mais je m'arrête à ça puisque Jeanne m'a dit de toute façon qu'elle filerait mes coordonnées à Louise. D'accord. Donc voilà. Elle transmettra si elle vous a dit oui elle le fera. Oui. Elle transmettra. Ouais je pense. Donc, elle est repartie Louise avec une moisson de téléphone. Ouais, écoutez, on verra. Mais bon. Non, je vous appelais tout simplement parce que je vous ai eu il y a 2 ans. Oui. Et puis je vous ai posé un problème d'alcoolisme et je vous ai pas tout dit, en fait. Oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a, il y a à peu près 8 ans, je suis rentré dans une société. Il faut même remonter avant, c'est à mes 18 ans. Oui. J'ai commencé à boire avec mes copains. Mes copains ont continué à boire. Ensuite, j'ai commencé à faire mes études. Et puis, on faisait la fête tous les 2-3 jours. Et eux, ça avait s'arrêté entre-temps. Et moi, je m'arrêtais pas. Donc voilà. Et puis, ensuite, c'est passé les études. Donc, j'ai fait un bac plus 5. Là, je me suis vraiment calmé. Et après, j'ai repris un peu d'alcool... festif, on va dire festif. Mmh. Et puis ensuite je suis rentré dans la plus grosse boîte de province que je ne nommerai pas parce que c'est pas la peine de la nommer. Non. Non, on fait pas de publicité pour les entreprises comme ça. Ouais. Non, mais je veux pas lui faire de publicité. De toute façon, les personnes concernées la connaissent, mais on m'a proposé de la cocaïne dès le début. Oui, alors d'autant plus ce genre de publicité, je pense qu'elle s'en passera. Non, on ne sent pas bon à prendre. Mm. Donc voilà, et puis j'en ai pris pendant 5 ans. Et après, j'ai pallié par l'alcool. Voilà. Mm. Je me suis dit, t'arrêtes la cocaïne, là, c'est bon. J'ai tout fait pour me faire virer. Mm. Et puis ensuite, je me suis mis dans l'alcool quand même pas mal. Excusez ma voix, je suis un peu enroué. Oui. Je suis désolé. Il a fallu faire cure sur cure. J'en ai fait 4 en tout. Je viens de finir la 4e. Et pour l'instant, je dirais que ça marche. Bon, tant mieux. Et je ne sais pas jusqu'à quand. Bah, écoutez, c'est déjà... Vous venez de sortir de cure, là ? Ouais, je viens de sortir de cure. Je suis sorti hier. Ah oui, d'accord. Oui, vous êtes vous êtes anxieux là pour. Je suis un petit peu anxieux. Vous êtes un peu fébrile, un peu. Oui, je suis un peu fébrile. Normal. La seule chose, c'est que je sais que je vais essayer. J'ai un super copain jeudi. Oui. Et puis ensuite, je vais dans ma famille chez mes parents. Oui. Et ensuite, je vais chez un copain qui fait abstinence totale. Mm. Donc normalement, je devrais être blindé. Oui. Mais ce copain, qu'est-ce que je fais en septembre ? Comment ? Qu'est-ce que je fais en septembre ? En septembre, je vais me retrouver tout seul. Oui. Donc voilà, c'est ça mon problème. Mm. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est une période délicate, la post-cure hein, qui suit, où il est important d'avoir des projets pour jalonner un peu, finalement trouver à remplacer cette addiction et donc avoir quelque chose qui vous tient. Parce que si on s'alcoolise ou si on a d'autres addictions, c'est aussi pour s'échapper, pour fuir des problèmes qui sont là, ou une mal-être. Bon, donc quand on arrête, quand on arrive, et c'est déjà une très bonne chose à vous sevrer, à sortir de ça, on n'a pas pour autant toujours réglé le mal-être ou la souffrance qui était derrière. Donc ça veut dire qu'il faut
et j'imagine qu'on vous l'a proposé, vous allez être suivi, continuer à être suivi à la fois en addictologie et en psychiatrie. Voilà. Donc ça, c'est important parce que ça vous donne un cadre où vous pouvez parler, y compris de vos angoisses, de la peur de rechuter. C'est important de rencontrer quelqu'un qui vous connaît bien, qui ne porte pas de jugement. Moi, j'ai mon psychiatre, que je vois depuis, ça fait facilement 8 ans que je le vois. Donc, moi, je lui dis toute la vérité. On pose des cartes sur la table et on dit ce qu'il faut faire, quoi. Sauf que la dernière fois, il m'a dit vous faites votre cure, et tant que vous n'aurez pas fait votre cure, je ne vous verrai pas. Donc bon, c'est un peu dur pour un psychiatre d'annoncer ça à son client. Mais bon, je l'ai accepté. Mais en même temps, c'est vrai que ça peut paraître dur et vous avez dû vous sentir à ce moment-là un peu rejeté. Mais en même temps, un cadre qu'il vous proposait. C'était parce qu'il savait aussi que sans cela, la thérapie pouvait pas bien fonctionner. Bon, c'est sa façon à lui de la méthode qu'il vous proposait pour travailler, d'instaurer un cadre, quelque chose qui vous contient. C'est quelqu'un que j'adore. Le contact se passe très bien. Donc j'ai complètement accepté ses propos. Vous les avez compris au fond. Vous avez compris pourquoi il disait ça. Ça avait du sens. C'était pour que vous puissiez avoir quelque chose, certes assez contraignant, mais en même temps qui vous contienne aussi. Oui, tout à fait. Donc, mes trois premières cures, pour vous dire, je les ai finies parce que j'ai bu de l'alcool pendant mes cures. Et la dernière que j'ai faite, ça s'est passé nickel, quoi. Oui. Sauf que je suis parti avant pour un problème de lit. C'est débile, mais bon. Parce qu'il manquait de lit. Non, il manquait pas de lit. J'étais dans un lit, une chambre seule. Oui. Et moi, ma complémentaire me la couvrait pas. Et donc après, j'ai demandé, écoutez, la dernière semaine là, est-ce que vous pouvez pas me trouver une chambre à deux lits? Quelqu'un qui ronfle pas, Oui, c'est important, pour se reposer. Pour se reposer. Et on m'a dit non. On m'a dit non et je me suis emporté. J'ai dit c'est lamentable. Oui, c'est dommage. Bon, mais en même temps, c'est qu'il ne pouvait pas, certainement. C'est qu'il n'avait pas de chambre disponible. Si, ils avaient des chambres disponibles. Alors, je sais très bien, ils avaient des chambres disponibles. Mais c'est pas grave. Bon. Le seul fait est que ma sœur, ma petite sœur me fait la tronche parce que j'ai pas fini ma cure. Parce qu'elle doit s'inquiéter. Elle pense que vous avez interrompu parce que peut-être vous voulez tout envoyer balader. Bon, c'est parce qu'elle s'inquiète pour vous. Elle a peur ça ne marche pas. Mais vous le dites vous-même, c'est parce que une chambre individuelle, ça c'était trop cher. C'était trop cher. J'en ai pour 300 euros la semaine. Donc j'ai dit non. J'ai dit niet, il y a deux questions. Soit vous me trouvez une chambre, je sais qu'il y en a à deux lits, soit maintenant je vous dis ciao. Il y en avait peut-être, mais avec quelqu'un qui ronflait. Donc, bon. Ouais, peut-être aussi. C'est possible aussi. Bon, en tout cas, là, vous avez. Pendant les vacances, vous êtes entouré. C'est plutôt septembre qui vous angoisse parce que vous allez vous retrouver. C'est plutôt septembre qui m'angoisse, parce que je vais m'arrêter. C'est la rentrée, quoi. Parce que vous allez vous retrouver. Vous n'aurez plus vos parents auprès de vous. Mais déjà, il y aura ces 2 mois qui vont consolider quand même ce que vous avez mis en place pendant cette cure. Oui, c'est sûr. C'est important, sûr. Ça. Et puis, en septembre, vous allez aussi pouvoir remettre en place... là, certes, vous n'aurez plus votre famille qui va vous entourer, mais vous allez avoir à nouveau l'entourage médical et psy. J'aurai l'entourage médical et psy, vous avez raison. Parce que là, pendant les vacances, il y a un moment où ça va s'arrêter. Certes, peut-être votre psy va partir en vacances. Oui, voilà, tout à fait. Et puis, moi, je ne serai pas là non plus. Vous ne serez pas là. Donc, vous voyez, votre famille... va prendre le relais, vous aurez un cadre réconfortant autour de vous. Bon, donc ça va vous faire du bien. Alors c'est vrai que septembre, vous allez vous retrouver seul chez vous avec vos habitudes, mais vous allez reprendre aussi le cadre, vos séances avec votre psy, votre addictologue. Bon. Le but du jeu, c'est que je reprenne un travail. Ça, c'est important, oui. Parce que Louise, donc
Parce que c'est vrai que le fait de vous retrouver, si vous vous retrouvez un peu seul, livré à vous-même, dans l'ennui, c'est vrai que pour replonger dans une addiction, il y a un risque plus accentué. Bah, ça, c'est certain. Oui, c'est vrai. Donc, je pense qu'en septembre, je vais m'en occuper. Oui. Et puis, peut-être même là, un peu pendant l'été, vous pouvez commencer à envoyer des CV. Oui, je peux commencer à chercher. Ouais, un peu, vous voyez, commencer à poser des jalons pendant l'été, là. Oui, tout à fait. Pour justement préparer la rentrée. Ce qui me manque, c'est une petite femme aussi. Oui. Qui me dit, attends, qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Oui, mais Loïc, vous savez bien qu'en même temps, ce n'est pas une femme qui doit vous dire « Hey, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Arrête de boire, ça ne va pas. » Parce que ce n'est pas bien si la relation, elle démarre sous ces auspices-là. Je suis complètement d'accord. Vous le savez, au fond. Il faut que j'arrive de moi-même à éliminer ce produit. Oui. Et puis c'est tout. Et quand justement, puisque ce que vous êtes en train de mettre en place, de vous soigner, d'aller mieux, de retrouver un équilibre intérieur, et donc après de retrouver un travail aussi, parce que ça structure bien, d'avoir des horaires, d'avoir un réseau. On en parlait avec Louise, avec Pierre, d'avoir des liens sociaux, parce que c'est ça. On a parlé du travail qui fait mal, mais il y a aussi le travail nous valorise et qui a un sens. Il y a malheureusement beaucoup de gens qui travaillent, le travail ne fait plus sens pour eux, ou le travail devient une façon de gagner sa vie, et parfois malheureusement très mal sa vie. Mais il y a aussi tous les gens qui travaillent, et pour qui ce travail c'est vraiment ça les constitue, c'est aussi ils se sentent valorisés par ce qu'ils font. Il ne faut pas oublier aussi cette dimension là du travail, déjà par ce qu'il apporte, et puis parce qu'on est en lien avec d'autres. C'est important aussi, ça. On est en place. Et on finit à 19h, et puis ça va très bien, quoi. Déjà, ça vous fait un cadre. Vous êtes, vous rencontrez d'autres personnes. Alors, c'est vrai que sinon, effectivement, à tourner seul en rond chez vous, c'est compliqué, je suis d'accord. Mais peut-être à ce moment-là, vous verrez aussi si vous sentez que vous êtes dans une pente un peu difficile ou quoi, vous pouvez à ce moment-là, avec vos parents, vous vous sentez bien quand vous êtes dans votre famille, vous vous sentez plus protégé. Oui. Vous sentez à un moment un peu vacillant ou autre, rien ne vous empêche d'aller de temps en temps vous replonger un peu auprès de vos parents, même si je suis d'accord avec vous, à un moment il faut bien réintégrer votre quotidien à vous. Vous pouvez pas toujours rester comme ça dans votre famille. Mais déjà vous allez avoir ces 2 mois de vacances, et puis pendant cet été vous pouvez réfléchir, mettre en place des CV, voir, vous voyez, pour préparer un peu la rentrée. Je vois tout à fait, Caroline. Il y a aucun problème. Mais vous cherchez aussi dans le. Ben, si vous voulez, j'ai 2 solutions. Soit je reste avec mon statut d'auto-entrepreneur et faire de la com. Donc ça, pour moi, ça pose pas de problème. J'ai une boîte à Paris qui me fait des notes d'honoraires, donc je peux gérer. Oui. Soit effectivement je reprends une boîte de communication et j'essaie de bosser dedans. Est-ce que ça serait pas mieux pour vous d'avoir dans un premier temps peut-être un cadre autour de vous ? Ben oui, je vous dirais oui, mais je suis comme Louise. Elle peut bosser visiblement, d'après ce que j'ai compris, qu'en freelance. Donc moi je suis un peu pareil. Je ne supporte pas l'autorité, j'ai du mal avec l'autorité. Même si, en général, j'ai des postes de second dans les boîtes de communication, je ne suis pas premier. Donc voilà. Oui, mais peut-être parce que jusque-là aussi, vous n'étiez pas très bien. Et bon, vous voyez, ça peut un peu... Vous... Si vous voulez, quand vous étiez avec 1 gramme de coke par jour, je peux vous promettre que vous étiez bien. Non. Non, parce que vous êtes un peu surex. Oui, je suis un peu surex. Donc vous partez très vite aussi au quart de tour, si... Non, j'arrive bien à gérer, ça se passait pas trop mal, j'arrive bien à gérer. Mais ça, plus jamais. Plus jamais. Bon, prenez le temps, là je comprends que vous soyez un peu anxieux. Vous revoyez votre médecin là avant de partir, vous n'allez pas partir tout de suite. Médecin avant... Non, je ne le revois pas, il n'est pas là. Donc, je peux prévoir, et puis j'ai ma fille. Donc, il faut que je m'occupe de ma fille. Ah, vous avez une fille ? Oui, j'ai une fille de 13 ans, D'accord. Donc, ça devient
une ado qui m'envoie bouler au premier quart de tour et qui est pas facile avec sa maman. Et j'ai gardé très bon contact avec sa maman, donc ça pose pas de problème. Mais là, elle commence quand même à rentrer dans l'arc. Bon, bah, c'est à moi d'assumer. Moi, j'ai été pire que tout. Donc je peux comprendre. Je peux comprendre qu'elle me fasse fait. Elle connaît vos difficultés. Oui, oui, je lui ai tout expliqué. On a passé un après-midi, un dimanche, deux semaines. Expliquez-lui que là, vous faites en sorte de vous faire aider pour justement aller mieux et pouvoir, après, quand vous allez aller mieux, vous vraiment être présent pour elle, être le père que vous avez envie d'être pour elle. C'est important aussi. Parce que si elle vous rentre dedans comme ça, si elle est un peu... C'est peut-être parce qu'elle veut vous faire réagir aussi. Elle attend, vous voyez, elle a quelque chose. Oui, quoi. Peut-être. Elle vous cherche aussi. Oui, oui, elle doit me chercher. Vous pouvez aussi lui dire que vous êtes... parce qu'il ne s'agit pas de s'épancher auprès de votre fille, hein, lui expliquer ce que vous êtes en train de vivre, votre réalité du moment, non pas pour faire d'elle votre confidente, surtout pas, mais pour lui dire que, justement, elle n'est pas là pour prendre en charge vos problèmes, elle ne le pourrait pas, de toute façon, quand bien même elle voudrait le faire, mais que vous êtes entre de bonnes mains pour vous soigner et justement pour être le père que vous avez envie d'être pour elle, que vous... pour être vraiment présent pour elle. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Bon, et d'ici là, continuez à vous faire aider. Peut-être faites un relais là où vous êtes, dans votre famille, si vous sentez qu'il y a des moments un peu où vous vous sentez un peu sur la corde raide, un peu fragile. Vous pouvez aller aussi à des réunions, genre les alcooliques anonymes. Il n'y en a pas là-bas. Bon. En tout cas, il y a certainement un hôpital, la ville la plus proche, un service, un médecin. Vous voyez avec votre médecin, le médecin généraliste peut-être sur place, qui peut vous orienter sur les structures existantes, y compris pendant l'été. Si ça peut être même rassurant pour vous, peut-être que vous n'aurez pas besoin du tout d'y aller, mais ça peut être rassurant pour vous de savoir qu'en cas de besoin, si vous vous sentez un peu plus fragile, vous pouvez trouver des personnes à qui parler. D'accord. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, Caroline. Mais... Bon courage, Loïc, alors. Merci. Au revoir. Merci, au revoir, c'est Jeanne. Au revoir. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir, Maryse. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. J'ai appelé suite à pour répondre à Louise, puisque mon fils se trouve dans une entreprise où il y a effectivement de la création, hein, et un patron qui crie après le personnel. Et donc le personnel s'en va, quitte l'entreprise, et mon fils était en situation de burn-out. Il a fallu qu'on l'aide, vous voyez. Oui, il a quel âge, votre fils ? Il n'a que 25 ans. C'est son premier emploi. Oh là là, oui. Oui. Voilà. Donc, nous l'avons aidé. Heureusement, il nous a parlé. Oui. Il avait aussi des symptômes qui étaient décrits, hein, le tremblement des mains, le pleur, il craquait, quoi. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, c'est une situation qui est difficile, hein, pour les jeunes. Mais alors, surtout, ça marque, dans une situation de premier travail, quoi. Oui. C'est... Et donc, nous avons discuté avec lui, nous l'avons conseillé de se reposer. Heureusement, il parlait, il a beaucoup d'amis autour de lui. Il fait du sport. Et il est allé voir le médecin. Donc, une première fois, il lui a donné des fortifiants, etc. Pas d'antidépresseurs, hein, surtout pas des choses comme ça. Mais et comme ça, s'il avait dû s'arrêter une autre fois, lui avons dit, écoute, si tu as besoin, tu t'arrêtes. La maison est ouverte, tu viens à la maison et tu retournes voir le médecin pour prendre un arrêt maladie. Et donc, il a fait attention. Parce qu'il vit chez lui, il ne vivait plus chez vous, c'est ça ? Oui, nous sommes en province et il travaille à Paris. D'accord. Il a son appartement à Paris et heureusement, il a des amis autour de lui. Oui, c'est bien. Il n'est pas seul. Oui, puis il a pu en parler. Heureusement, il en a parlé avec nous et nous l'avons recueilli en pleurs, hein, quand même. Hein. Et puis, il a quand même écouté, heureusement, et puis il a repris des forces. Et puis, il prépare de nouveaux CV pour partir. Nous lui avons dit qu'il fallait qu'il prenne la situation d'être le plus fort.
C'est-à-dire de se dire, de toute façon, c'est moi qui vais partir, c'est moi qui... C'est pas le patron qui va me laisser, parce que là, il est en deuxième CDD. D'accord. Il a fait 6 mois de stage, d'abord. Oui, oui. Évidemment, vous en parliez aux conditions des stagiaires qui sont peu payés alors qu'ils travaillaient. Oui, ils font le travail d'un salarié, oui, oui, complètement. Voilà, oui, il a voulu faire c'est des boulots dissimulés, maintenant. Enfin, beaucoup. Il a très bien faire, évidemment. S'engager dans son travail pour construire sa carrière, un CV. Oui. Et puis, il a fait un premier CDD, puis là, il est au deuxième. Donc là, maintenant, nous lui avons dit, écoute, mets-toi en situation de force de partir. Voilà. Mmh. Qu'est-ce que vous voulez dire en situation de force? C'est-à-dire, dire, bon, n'attends pas la fin du deuxième CDD qu'on te dise, finalement, nous n'avons plus besoin de vous. Oui, d'accord. Psychologiquement, ce n'est pas facile, même si c'est prévisible, puisque c'est un CDD. Mmh. S'il devait rester, la situation ne serait pas tenable non plus. Il ne pourrait même pas avoir le plaisir de s'entendre dire qu'il est embauché. En a parlé quand même au médecin du travail? Je ne sais pas. Parce que c'est important d'alerter le médecin du travail. Vous voyez, d'autant plus quand c'est des premiers emplois, des jeunes qui passent, des CDD, parce que voilà, ils peuvent embaucher comme ça des CDD, les jeunes passent, c'est une entreprise de démolition. C'est important que les acteurs comme ça, sociaux du monde du travail, soient informés de ce qui se passe. D'autant plus qu'il a un poste à responsabilité. Hein. Lui, il ne fait pas la création lui-même, il a un budget quand même. Hein. Il a des gros clients quand même, et il est apprécié par ses clients. Les délégués du personnel, les médecins du travail, tout ces... on n'est jamais assez informés sur nos droits du travail. J'ai bien retenu ce que vous avez dit là, à ce sujet, et puis je reprendrai, il faudra que vous me redonniez aussi les coordonnées. Les coordonnées du site parce qu'il est très très bien fait. De toute façon, je vais les redonner parce que quand je vois le nombre d'appels encore arriver au standard ce soir pour des personnes qui se retrouvent dans des situations très difficiles sur leur lieu de travail, c'est souffrance-travail.com. Donc souffrance-travail.com. Voilà, c'est le site fait par Marie Pezet, P-E-Z-E. Mais il y a d'autres personnes, je vous dis, tous les acteurs, c'est fait par des juristes, donc il y a des avocats, il y a des inspecteurs du travail, il y a des psys évidemment, mais il y a des, tous ceux qui sont dans cette chaîne-là, et il est vraiment très très bien fait sur les recours aussi possibles. Comment faire face? Comment se défendre surtout? Parce que dans ces situations-là, on est souvent terrassé. On ne sait pas comment réagir. On a l'impression qu'on est pieds et mains liés. Alors qu'il y a vraiment des moyens d'agir. Hein. Mais dans ces cas-là, l'épuisement est tel, la fatigue est telle, le stress est tel qu'on se sent très seul. Et de fait, souvent, au sein de l'entreprise, on est très seul. Alors qu'il y a des personnes qu'on peut contacter. Et en premier lieu, le médecin du travail, les délégués du personnel. Après, on peut voir avec l'inspection du travail. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il faut vraiment, comme le dit First Lisa, alerter. Voilà. Même si, pour votre fils, il est en CDD, et vous avez raison, il ne va pas s'acharner dans quelque chose, de toute façon, c'est un CDD, c'est quand même bien d'alerter ce qui se passe d'une organisation qui, semble-t-il, est pathogène. Voilà. Or, il y a des gens qui sont sur place, qui, eux, restent, et qui peuvent dire, ça figure, il y a des traces, bon, qu'à un moment, ça s'arrête, quoi. On ne peut pas casser impunément des gens comme ça. Parce que c'est malheureusement des situations trop fréquentes. Alors, c'est Marie comment ? Marie Pezet. P-E-Z-E. D'accord. Justement, je voulais vous poser une question. Là, ce soir, je vous ai écouté, mais je n'ai pas voulu l'appeler parce que je ne voulais pas le mettre en situation de stress à nouveau. Vous avez bien fait, il pourra aller voir à tête reposée sur ce site. Mais par contre, il pourrait écouter l'émission en podcast. L'émission avec Marie Pezet, La vôtre, celle-ci.
Ah oui, celle-ci, bien sûr. Oui, parce que j'étais en train de réfléchir. L'émission avec Marie Pesé, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai fait. Ça fait quelques mois et je ne sais plus si elle est toujours disponible sur la souffrance au travail. Peut-être qu'il peut taper, voir sur les podcasts, émission, c'est un dimanche. Mais je ne sais plus quel mois. Marie Pesé, souffrance au travail, dans les podcasts, il peut voir si elle est toujours disponible ou pas. Mais celle-ci, oui. Mais c'était plus intéressant sur celle qui était vraiment sur cette thématique-là. Mais oui. Je vous dis, en allant vraiment sur son site, elle donne aussi beaucoup d'indications de lecture et beaucoup de conseils, mais vraiment très, très concrets. Et selon les milieux aussi, vous voyez, parce qu'on ne réagit pas de la même façon selon le milieu professionnel. Oui, puis en plus, c'est difficile de pouvoir se reposer et puis ensuite de se remettre en situation de nouvelles recherches d'emploi. Bien sûr, oui. Il faut avoir la tête. Et elle expliquait bien qu'il ne faut pas passer outre ce temps de la reconstruction. Mais vous savez qu'il y a de plus en plus de consultations souffrance au travail. Il y en a un peu partout dans toute la France, hein, dans les hôpitaux. Donc là aussi, elle donne les lieux sur son site, où, dans les hôpitaux, où il y a ces consultations souffrance au travail, où il y a une prise en charge pluridisciplinaire. Donc allez sur ce site et vous allez voir tous les lieux de consultation. Et ça vaut le coup d'y aller, hein, prendre un avis. Oui. Vraiment. D'accord. Bon courage pour votre fils. Merci, bonsoir. Au revoir, Maryse. Au revoir.